Oui. Oui. C'est de la même rue dont je te parlais. Oui, avance encore juste un peu. D'accord, à tout à l'heure. Peaches! Hey! Ma petite chérie! Oh! Oh mon Dieu! Je suis là! Ouais! Ma puce! Oh mon Dieu! Attends, je dépense mes valises. Ah. Oui! Alors, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Soyez les bienvenus, bienvenue, bienvenue! Peaches! Hein? Tu veux dire... Non, tu veux me dire que nous allons vivre dans ce duplex pendant un an, gratuitement? Une bonne année! Oh mon Dieu! Le truc, c'est que j'ai eu un truc presque dans le même genre, tu sais. C'est même plus grand que ça, en fait. Oui, c'est très similaire, vraiment similaire. Est-ce vrai, ce mensonge? Tu sais, l'une de mes amies m'a conseillé d'avoir ma propre maison. Et tu sais que je n'ai pas de problème d'argent, ok? Alors, elle m'a demandé, m'a conseillé d'avoir ma maison et je suis une propriétaire. Tout est dans les papiers. Ouais, hey, n'est-ce pas magnifique? Ça. Oui, c'est ça. Écoute, Lemon, tu vois cette tête? Elle fait mal. Je ne me suis pas encore remise de l'accident. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Eh, je t'en prie. Toi et moi savons que tu ne peux pas vivre sans mensonge. Mm-hmm. C'est d'accord, ça c'est vrai. Mais là, c'est un peu trop tôt. Vas-y doucement, s'il te plaît. Fais-tu... Tu as tout ton temps pour mentir. Ferme, ferme. Tu la fermes. C'est à moi que tu causes. Tu es folle ou alors? Ça ne va pas là. Non, 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 s'il vous plaît. Vous venez à peine d'arriver. Je suis sûre que vous êtes épuisée, donc entrez et reposez-vous. Oh non, oui, tu dois l'avertir parce que si elle me cherche la bagarre, je vais te la donner. Tu vois cette coco? Tu vois ta coco? Quand je vais te donner un coup, ça ira tomber de l'autre côté. Méfie-toi de moi, Itia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dire. C'est bon, mon cœur. En toi, l'intérieur, ça y est, je suis ton invité, je le sais, mais c'est tout petit. À toutes celles qui arrivent, qu'elles ne doivent, tu sais, franchir mes 5,50 m, ok? Un peu de respect. Ah, Lemon, tape mon sein. Tu sais que je suis friquée, et moi. Comment? Tu sais que je vais t'attirer, moi. Bien sûr que je le sais. Moi. En pitié, j'adore cette... Hey! Ah! Salut, meuf. Oh, yes, la meuf de l'heure est sur la place. Ça va chauffer. Hey, meuf, ça bouge? Est-ce que ça roule? Oh, meuf, qu'est-ce que tu m'as manqué? La pétillante, ma capella. Ah, non, 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 je t'ai pas bien entendu le prononcer. Tu sais comment on m'appelle, meuf? Tu es sexy. Tu sais comment on m'appelle la sexy, ma capella. Ouais, tu vois de quoi je parle. Je suis dans la place, quoi de neuf? Ça roule? Vous avez entendu mon dernier son? Non, vous n'êtes pas sérieuse, là. Vous êtes en retard, ok? Je vais vous mettre à la page avec ma nouvelle zik. Attendez un peu. Ah, suis à vous, du calme, suis à vous. Ouais, suis à vous, calmez-vous, calmez-vous. Sexy ma capella! Yo! Ah, yeah, je suis à toi!
bébé, tu sais, tu es l'aînée. Tu sais que tu es à moi, baby, baby, baby. C'est quoi le problème? Je suis là à vous présenter mon dernier bébé. Vous êtes placé là à ne rien dire. Dites-moi, c'est quoi? C'était entendu? Macapella, Macapella. En fait, t'as déjà écouté ta voix? T'as écouté ça? T'es juste une belle copie de Tiwa Savage. Ouais, c'est ça, je suis de la bombe, moi. Et toi, qu'est-ce que tu sais de la Zik? Écoute, c'est une transformation de voix, étape 1. Je sais que ce son va déchirer. Je sais également que tu ne piches que dalle à ce que je raconte. Alors la ferme, hello! Tu sais que tu m'as tellement manqué, quoi. Moi aussi. Allons nous amuser, les filles, suivez-moi. Allez, pétasse. On va mettre le feu ce soir, foutaise. Macapella est dans la place, les filles. Une ovation pour elle, faites du bruit pour la star, bye. Ouais, ça vous fait marrer. Marrez-vous bien, c'est sans problème. Mais moi, je sais de quoi je parle. Mais je suis sûre que je vais vous prouver à toutes que la meuf que je suis sera la prochaine reine de la Zik que vous verrez sur vos écrans bientôt. Croyez-moi, c'est moi qui vous le dis. Et vous savez quoi? La meilleure partie de la chose, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour vous, les filles. Votre copine que voici va se marier. Laissez-moi terminer. La meuf devant vous va se marier avec le très célèbre président Don Don Jay-Z. Encore Don Don Jay-Z. Ma puce, tu as vraiment l'air d'être sérieuse. Oh ouais, bébé, putain de merde que je suis très sérieuse. Mais le seul problème que j'ai, c'est que j'aurais besoin d'un coup de pouce, vous voyez? J'ai besoin d'un bon manager, quelqu'un qui peut m'élever, qui peut me propulser très haut. Me rendre au public qui fera de moi la star que je vais devenir, vous voyez un s'il peu. S'il te plaît, arrête! C'est de trop. Quel est ce genre de mensonge? Non. Hein? Madame la menteuse au Zumba, c'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu mens? Nous savons tout que Don Jay-Z est célibataire et qu'il ne pourra jamais t'épouser. T'as tout faux, ma belle. Eh bien, ce Jay-Z dont tu parles, tu sais quoi? Je l'ai bien vu dans mes rêves. Et dans mon rêve, il s'est mis à genoux. Il m'a supplié. La bague à moi, il m'a demandé, ma princesse, est-ce que tu veux m'épouser? Croyez-moi, quand je me suis réveillée de ce rêve, devinez quoi? C'était du genre, non, mais je rêve. Et j'ai crié, non, je rêve. Que se passe-t-il? Oh, que faire? Oh, les filles, et mon prophète m'a dit que, dès le moment où ce mec va poser ses yeux sur moi, il va m'épouser. C'est un chapitre clos, les filles. Je sais ce que je dis devant vous là, maintenant, à l'instant. Comme je le disais, voici Madame Jay-Z. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le souci? Pourquoi vous me dévisagez? C'est quoi le souci? Bon après-midi, ma gentille tata. Bon après-midi. Je m'appelle Ifoma. Mais vous pouvez m'appeler Ife. Désolée, oh, j'habite juste après cette rue. Hey, ça fait longtemps que j'admire cette maison. Vraiment très longtemps. Hey, cette maison est vraiment très belle. Et vous êtes... Je sais que vous êtes très gentille, alors je suis venue vous supplier, s'il vous plaît. J'aimerais utiliser votre maison pour mon commerce en ligne. Écoutez, ce commerce en ligne, ça ne demande pas beaucoup. J'aurais juste besoin d'un petit espace où je pourrais brancher mon téléphone et accrocher mon ring light. Oguna, les affaires commencent. Vous voyez, je sais que c'est pour ça que je suis venue vous supplier. Je ne vous dérangerai pas. Je serai sage comme une image, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ce business dont tu parles, de quoi s'agit-il? Ah, c'est un business en ligne, oh. Et j'allume juste mon téléphone. Mes fans sont dedans. Les gens avec qui j'échange, ils sont tous sur Internet. Pour les avoir, il faut juste être très belle. Tu mets ton ring light, tu vois? Pour mon bébé. Et le tour est joué. Mais pour ça, il te faut un bel édifice. Je n'ai pas de belle maison. Et okay. D'Amazon, nous n'avons pas de lumière. Ok. Ce n'est pas que je vis dans le noir. Bientôt, nous en aurons. C'est juste le transformateur. D'accord. C'est pour ça que je voulais utiliser votre lumière. Ça va beaucoup m'aider. Ok. Ce n'est pas un problème, d'accord? Oui. Mais aujourd'hui, mes copines viennent juste d'arriver.
Alors, je ne peux laisser personne entrer. Mais tu peux venir un autre jour, disons demain, pourquoi pas. Ça me va. Hey, merci. Ah, ah. Pas de problème. Je ne voulais pas commencer aujourd'hui. Okay. Vous avez dit que je peux venir demain. Oui, demain, oui. Hey, d'accord. Merci. Mon esprit m'a dit que vous avez un grand cœur. Ah. À l'instant où je vous ai vu, j'ai su que vous deviez accepter. Non, c'est merci rien. Merci infiniment. Tu peux venir demain ou un autre jour, okay, d'accord. Ok, à demain. Ouais. Je peux venir demain matin. Je viendrai très tôt. Oh, ouais. Okay, ok. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Salue-moi vos invités. Ifi, c'est ça? Oui, Ifi. Vous pouvez okay. m'appeler Ifi. Ifi Oma, Ifi Oma. Ok. Merci. Bye. Les filles, si vous voulez rester dans cette maison, je vous demanderai de ne pas ramener des étrangers chez moi. Et si quelqu'un voudrait nous rendre visite? Impossible, tant que vous resterez dans ma maison. Et ça implique pas de bruit. Gardez les lieux très propres et remplacez tout ce que vous pouvez éventuellement détruire si vous êtes partante. Mmh. Ouais. Je suis d'accord qu'on prenne une domestique, mais un gardien, non. Vous savez, les filles, on peut s'occuper de ce portail, nous-mêmes. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Écoute, je pense que nous avons besoin d'un personnel. Une domestique et un gardien, je veux dire, ça fait un peu plus... ouais, tu vois, t'as pas tu vois ce que je veux dire? Je dirais même que t'as raison. Je te suis, et surtout qu'en ce moment, j'ai pas besoin de stresser, j'ai besoin de plus de temps pour me ressourcer, faire ma musique dans le calme, vous voyez pas? Ok, nous sommes toutes d'accord que nous prenons un gardien et une domestique. Exactement. Ça me va, pas de problème. Ok, si vous le dites, chacun devra contribuer. Ok, parce qu'on devra les payer par mois et vous savez... Comment ça, on va les payer? Non, je, ça ne m'arrange pas cette affaire de paiement. Personne ne fait allusion à ça. T'es la seule ici à parler argent. Ouais, t'as du fric. Moi, j'ai pas de budget pour ça, tu comprends? J'ai pas de budget pour ça. Donc, c'est ça le truc. D'accord, c'est bon. Maca, Peach, Berry, on va s'en occuper. Ça me va. Moi, j'ai pas de budget pour ça. Ouais. Ouais, ça marche. Ça signifie que tu seras ta propre domestique, tu vois? Tu t'occuperas de ton linge, ton repas et... Tu es folle. Tu perds la tête. C'est toi la véritable folle. T'es vraiment stupide. Tu penses que je vais dépenser mon argent pour te prendre une domestique? Tu vas payer pour quoi? Ouais, meuf, tu vas payer une domestique. T'en fais pas. Je ne donnerai pas un copain. Ouais, je vais bien. Je viens juste de me réveiller. Comment tu vas? Je vais bien. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai pensé à toi toute la nuit. Oh ah, ah. Désolée, bébé. Il y a une chienne folle ici. Que ça veut dire? Je suis au téléphone là, je suis au téléphone. Bébé, un instant, je te rappelle. Je suis au téléphone, mais c'est quoi tout ce vacarme là? T'es folle? Hein? Tu ne vois pas que je suis. Pourquoi ne devrais-je pas te toucher? Pourquoi est-ce que tu m'as touché? Pourquoi fais-tu autant de bruit? Qu'est-ce que tu te prends? Je suis au téléphone avec mon bébé et tu fais ce bruit. De quoi est-ce que tu parles? J'étais en train de faire des ripés sur mon son et tu viens me frapper. Non, plus jamais. Ce n'est qu'ici que c'est la dernière fois. Ne me touche plus. Est-ce que c'est clair? Chanter à voix basse. Chanter à voix basse. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, plus jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas faire un appel en paix dans cette maison. Pourquoi est-ce que vous dérangez? Moi aussi, j'étais au téléphone avec mon petit ami et elle s'est mise à crier. Je ne sais pas de quoi vous parlez toutes les deux, d'accord? Vous êtes là parce que des putains de coups de fil qui ne vous rapportent pas de sous. Je fais ma putain de musique. C'est ça qui rapporte du fric sur ma table. La prochaine fois que tu vas me toucher, écoute-toi, salope, je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. N'essaye plus jamais. Essaye-toi. Est-ce que j'ai clair? C'est bon, ça non suffit. Arrêtez ça. C'est bon, s'il vous plaît. Peut-on avoir la paix dans cette maison? Tu peux passer ton coup de fil dans la chambre. Toi, tu peux aller chanter ailleurs. Et toi aussi, c'est quoi tout ça? Non, c'est toi. Coucou. Voilà, alors on dit quoi? Ok, coucou, je suis à toi.
S'il te plaît, envoie-moi des cœurs. C'est qui, celle-là? Permets-moi d'atteindre mes objectifs, non, ok? Non, je vous expliquerai. Continue de m'envoyer des cœurs. Et toi, pétasse, t'es assise sur mon téléphone. Dégage! Un instant, je suis là, je te relance. Je te relance dans une minute. Hé, hey, salut! Désolée, moi, c'est... Hé, hey, arrête-toi là, prends tes limites. Assieds-toi, assieds-toi. Elle me connaît. Oui, elle me connaît. Elle m'a demandé de venir. Oui, c'est moi qui l'ai invitée. Je te présente mes copines. Oui, c'est moi. J'ai été temporellement interrompue par cette dingue que voici. Je retourne à ma zique. J'espère que je retourne dans ma chambre. J'ai besoin de paix dans cette maison. Désolée pour ça. Non, ce n'est pas grave. Tu dis que ce sont tes amis? Oui, ce sont mes amis. Ah, elles ont l'air un peu folles. T'en fais pas. Nous étions juste en train de régler un problème. Assieds-toi. Ok. Celle-ci, qu'est-ce qui lui arrive? Rien. C'est juste qu'elle est en train de répéter sa chanson. Ok. Oui. Son sang. Oui. Do, si, la, do, si, la, do, si, la. Sois la bienvenue. Coucou, ma puce. Ma puce. Ça va? Je vais bien. Quoi de neuf? Je ne savais pas que tu étais là. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qui est-ce qui t'a sonné, toi? Je vais faire les présentations proprement dites. Alors, elle, c'est Itoroban. Et lui, c'est Jibi. Ma puce, j'aimerais que tu me dises plus sur eux maintenant. T'en fais pas. Quand tout le monde sera là, je le ferai, ok? Permets-moi de... Oh, suis-moi. JB, tu m'attends là, ok? D'accord. Allons-y. Je suis content. Je pensais... Je suis très content d'être venu ici. Je te jure. Est-ce que c'est à moi que tu causes? Ah, je me présentais à toi comme il se doit. Je m'appelle JB. Bouroubou, je te jure, je suis chanteur, je suis danseur, je fais En fait, tu vas m'aimer. Écoute, tu vois, si on se met ensemble, tu vois, je t'aiderai à percer. Parce que, tu vois, à l'instant où je suis entré, j'ai vu comment tu faisais, j'ai dit, hey, c'est elle qu'il me faut. On sera ensemble. Ça ne m'intéresse pas. Tu veux me dire non, parce que tu ne m'as pas encore vu en action. Non, écoute, ne t'en fais pas. Écoute, regarde-moi, tu vas voir le feu. Aïe! Attends, je te montre. J'ai vu comment tu faisais, regarde. Voici ma part, regarde. Non, il faut... Attends, regarde-moi faire. Écoute, tu sais quoi? Tu ferais mieux de descendre la tente là-bas. Regarde ce que je fais. Ouais. Tu vas descendre la tente là-bas. Descends comme ça. Ne me blesse pas, mec. Tu vas descendre là-bas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, stop! Hé, attends, où est-ce que tu vas comme ça? Hé, hey. Tu vas où? Attends, tu n'as pas vu que c'est une résidence privée ici? Hein? Allez, dehors, allez, dehors! Hé, qui es-tu? Non, qui t'es-toi pour me dire ça? Hein? Est-ce toi le propriétaire d'ici? T'es vraiment stupide. Oh,
J'oubliais que t'es l'un de ces mendiants. Nous n'avons pas d'argent à te donner, alors j'allais, ok? Dégage! C'est à moi que tu parles comme ça, tu es folle là! C'est moi que tu traites de mendiant! Je vais te montrer qui je suis! Tu vois cette maison? Tu n'y entreras pas! Madame m'a pas demandé de t'ouvrir le portail, alors mets-toi dehors! Sais-tu que t'es vraiment quelqu'un de stupide? Tu es faux! En fait, t'es un holo de plus! Holo de plus! Laisse-moi tranquille! Dehors! Laisse-moi tranquille! Mets-toi dehors! Laisse-moi tranquille! Tu es folle! Laisse-moi! Va-t'en d'ici! Idiote! Viens, sorcière! Ouvre-moi! Ouvre ce portail! Tu es fou! Tu es. T'es vraiment stupide! Va-t'en d'ici, viens, sorcière! Moi! Idiote! Moi! Sorcière! T'es vraiment stupide! Tu oses m'appeler Holodo plus? Oh, le dos! Tu es Holodo! Sorcière! Idiot! Tu as l'audace de m'insulter! Tu me traites de l'odo plus! Tu n'es pas seulement l'odo, tu es l'odo plus! Regardez-moi ça! Idiote! Allô? Je vais te montrer que. C'est moi qu'on appelle. Espèce d'idiot! Tu es. T'es un idiot! Vas-y, approche! Je vais te donner un coup de tête! Tu as l'audace de m'insulter! Allô? Je vais te montrer que. Ce n'est pas aujourd'hui! Qu'on m'appelle le serpent, je vais te montrer! Dégage ici! Allô? Sorcière! Approche comme ce portail et tu verras! Cet idiot! Ce fou! Cet homme infect! Il a osé me jeter dehors et me fermer le portail! Sorcière. Je suis toujours dehors! Si je viens te trouver là-bas alors que tu es morte! Pitié, tu ferais mieux de m'expliquer qui tu as emmené chez toi, oh! Ce malade mental, cet idiot! Que t'as dépôt emmené ici! Il a posé ses sales pattes sur moi! Il m'a jeté hors de la maison! Est-ce que je sais quelle espèce de dégénéré est-ce qu'il est? Je suis debout dehors, sous le soleil. D'accord. Je t'attends. Ma sœur, bon après-midi, madame. C'est comme si on a enfermé notre sœur dehors. Ma sœur, ils t'ont enfermée? On lui a fermé le portail. Bonjour. Bonjour. Ma sœur. Ah, ah. N'est-ce pas à toi que mon ami s'adresse? Ha! Hein? Ha! C'est quoi ça? N'est-ce pas à toi que mon ami s'adresse? Bien sûr. Ose te prendre la tête? Hey. De grâce. Je ne sais même pas de m'énerver. Oh. Sexy, comme c'est tu bon. Me vois très sexy là. Très belle. Ne fais pas en sorte que je m'énerve contre toi. Sexy, ça va. Libère cette fille. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas mangé? Elle a faim. Elle n'est pas bien toutes les deux. Surtout toi, tu es folle. Je suis dans mon coin, oh. Je suis dans mon coin, Tieti. Tu viens me provoquer. Qu'est-ce que tout ça signifie? Tu l'as provoqué. On se connaît. Tu l'as provoqué. Je suis de ta famille. Mais c'est quoi tout ça? Tu l'as provoqué. N'importe quoi. Tu l'as provoqué. Oh, Dieu. Mets-toi de tes oignons. Mets-toi de ceux qui te regardent. Cueille-moi la paix. C'est Dove. Pardon? C'est Dove. C'est moi. C'est moi, Dove. Commence à faire tes prières. C'est moi, Dove. Je suis très stupide. Attends, c'est moi. Oh, eh ouais. Que tu traites de stupide. Ce n'est pas toi. Regardez. Elle ne l'a pas fait, c'est à moi. Je ne peux répéter ça. Tu veux que je te mâche? Il va te frapper. Tu mens. Je ne vais pas bien. Tu es folle. Tu es folle. Sexy. Non. Tu me traites de folle. Tu es folle. Sexy. Que je suis folle. Sexy. Attends-moi. Je n'en ai pas. Tu es malade. J'essaie de comprendre. Que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé? N'est-ce pas ces deux idiotes qui veulent me tuer? J'étais dans mon coin. Essayons de t'appeler pour te dire de demander aux gardiens d'ouvrir le portail pour que j'entre. Elles sont venues avec leurs problèmes. Avec leurs problèmes pour me déranger. Et elles m'ont insulté et je leur ai répondu. Et très bien même. Attends. Regarde ta bouche. Dis-moi que tu traites de bon à rien. Tu ouvres ta bouche pour me traiter de bon à rien. Du calme. Tu as le sang chaud, laisse cette fille. T'as une grande gueule. Toi, tu es une idiote. Tu oses parler? Elle a bavardé comme un perroquet. Je t'ai dit de me laisser parler. Désolée pour ce qui vient d'arriver. S'il te plaît, peux-tu raccompagner ton amie chez elle? Laisse-moi parler à ma copine, s'il te plaît. C'est d'accord, ok. C'est d'accord quoi? Écoute, je n'irai nulle part où. Je ne bougerai même pas d'un pouce d'ici.
Je suis là pour voir quelqu'un et je verrai cette personne avant de partir. Allons-y. C'est une blague ou quoi? Ici, c'est chez moi. Et je te demande de partir. Mais où est ce gardien? Chibi! Allons-y. Calme-toi, Chibi! Arrête de parler. Tu calmes. Pas besoin de t'agiter. Écoute, je n'ai aucun problème avec toi. Aucun. Tu n'as pas dit que tu es... Obiadika. Que tu es douce comme du miel. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Je ne veux pas avoir de problème avec toi, même si tu es la propriétaire de cette maison. Tu ne peux pas me chasser d'ici haut. Je n'irai nulle part. Je t'ai dit d'arrêter de parler, hein? Mais arrête, hein? Calme-toi. Elle n'a qu'à venir ouvrir ce portail au Chibi, fouteuse de Chibi! T'es juste une grosse fouteuse de trouble. Allons-y. C'est ta maison. Tu t'en allais, s'il te plaît. Mais va-t'en. S'il te plaît. Ce n'est pas ta maison. Chibi! Je ne bouge pas. Écoute, Chibi! Ce n'est pas ta maison. Chibi! Même si tu es la propriété de cette maison, je n'irai nulle part. Ça va. Chibi! Ça va. Retourne chez toi. Tu commences à exagérer. Je vais t'en coller une. Tu vas la fermer. Vas-tu te taire? Ok. Je t'ai demandé de la ramener chez elle. Que faites-vous encore là, Ifoma? Je ne bouge pas. Un autre coup. Frappe-la, c'est chiant. Je n'irai nulle part. Donne-lui un autre coup maintenant. Je n'irai nulle part. Quoi, ce genre d'histoire? Tu recommences? Ça va. Mais tu vas te taire. Ça suffit. Tu traites qui te fout de ce trou. Est-ce que tu calmes? Reviens ici. Calme-toi. Tu n'es qu'à ça suffit. Calme-toi. Tu n'es qu'une fouteuse de trou. Va, allons-y. Ça va. Tu es folle. Ça suffit. Je suis folle. Ça va. Tu es folle. Malade mentale. Chibi. Oh, dur. Je suis folle, c'est ça? Tu savais que je devais venir avec elle. Je suis folle, c'est ça? Le portail est fermé. Il est fermé. Elle m'a provoquée. C'est elle qui m'a provoquée. Comment est-elle? C'est pas grave. Laisse-moi te dire. Allons-y. Tu as la propriété de cette maison, hein? Ça va. Je vais revenir. Je vais revenir voir quelqu'un. Tu veux gueuler, toi? Je suis la propriété de cette maison. Mais c'est quoi, c'est bêtise? C'est ta maison. J'ai aussi une maison. Calme-toi. N'importe quoi. Je vais revenir. C'est normal. Fais gaffe. Mais viens, on fait même pas. Je vais revenir. C'est quoi tout ça? JB! Regardez-les. JB! N'importe quoi. C'est bon, les bonnes. Non, ça ne va pas. Je n'en ai pas fini avec elle. Ça va. Elles allaient m'entendre passer. N'importe quoi. Espèce de chèvre. C'est bon. Mais qui fait tout ce bruit? Qui fait? Oh. Madame? Où étais-tu? Ne m'as-tu pas entendu crier ton nom? Madame, je n'ai pas entendu. J'étais aux toilettes. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Mon ventre fait brou, 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 brou. Depuis ce matin, je suis aux toilettes, je ne sais pas. Les toilettes qui sont là derrière. Ouvre le portail, mon ami, s'il te plaît. Ouvre le portail. Ça ne va pas. T'es fou. Maintenant, je comprends. J'ai entendu. Vas-tu ouvrir ce portail? Arrête de bavarder. Désolé, madame. En fait, le truc, c'est que je ne savais pas qu'elle venait. Non. Je n'aime pas ça. Tu aurais dû me laisser les miettes. Elle faisait la gueule. Je n'ai pas peur d'elle. J'ai juste eu peur pour ma peau. Ma si belle peau. Si ce n'était pas toi, hein? Je lui aurais... Tu connais, n'est-ce pas? Essaie de te calmer. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Madame Pichis, ça peut s'arranger. Cette fille n'est pas très loin. Attendez, je vais l'appeler. Comme ça, on verra si elle n'a pas peur d'elle. Qui t'a demandé de les appeler? C'est elle. Qu'est-ce que je fais? Mais non, il fallait me laisser. C'est bon. Elles sont déjà parties. Et toi, sale menteuse. Idiote. Je veux que tu sois fou de moi. Ouais, ma crème, donne-moi tout ton aigre. Mon ex, cet amour finira par me tuer. Ouais. Oui, bébé, je suis prête pour demain. T'en fais pas, je serai là. Je te vois demain. T'en fais pas. Mon amour, c'est tout ce que je veux. Ouvre. Laisse-moi tes jambes, laisse-moi découvrir ton jardin secret. Ouais, je t'écoute. Laisse-moi t'aimer. Ce n'est pas la radio, c'est quelqu'un qui chante. Un instant.
fait. Madame, s'il te plaît, vas-y doucement. À voix basse, je suis au téléphone, ok? Tu disais? Me déranger quand je compose mes chansons. Ah oui, on parlait de la prochaine édition. T'occupe pas d'elle. Ouais, c'est ça, sale conne. Mm-hmm. J'ai dit que je viendrai demain. Ah. Ouais, j'étais dans ma peau, baby. Puis-je te rappeler plus tard? Demain, je vais te rappeler, je te rappelle plus tard. Je t'ai dans ma peau. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie tout ça? Hein? Nous vivons ici. Devrais-je me cacher de toi? Devrais-je me cacher de toi? Devrais-je me cacher parce que tu veux? Tu veux devenir la grande Tiwa Savage? Tu veux lui ressembler ou quoi? Regarde ce que tu... Mais tu fais du bruit! Je suis au téléphone, mais tu fais du bruit! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'es jalouse. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Non. Tu commences à dépasser les limites. Non. Tu dépasses les limites. Si tu veux tellement chanter, pourquoi n'entres-tu pas en studio? L'amour. Mais c'est quoi toutes ces conneries? C'est de la merde, c'est du pur n'importe quoi. Entre au studio. Arrête de nous embêter. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de causer avec mon mec, tu vois, et elle s'est mise à crier. Mon mec a même pensé. Qu'est-ce que c'était pour ce radio? Hein? Tu es. Macapella. 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 Sexy, macapella. Macapella. Quoi de neuf, ma puce? Tranquille. Nous pouvons vivre ensemble, en harmonie, en paix. Je veux dire, nous sommes toutes des amies. Cette maison est assez grande pour toutes nous accueillir. Je veux dire, tu peux passer ton appel dans la chambre ou alors, dehors ou ailleurs, et toi, tu peux faire ta musique ailleurs. Mitch, je n'ai aucun problème avec elle. Elle n'a qu'à ouvrir le studio et faire sa musique, au lieu de faire ce bruit ici. Ah, mais c'est quoi ça? J'ai pas de temps pour toi, ma petite. T'en veux pas la peine. Ordure. Nul larme. Oh, la ferme. C'est compris, frangine. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est bon, ça va. En passant, nous avons de nouveaux venus dans la maison. JB. JB. Oh, mon Dieu. JB. J'ai répondu depuis. J'ai répondu quand vous avez appelé JB la première fois. Ferme-la. Mettez-toi. Ouais, c'est ça. Viens là. Mais vas-y. Arrête-toi. Ok, elle, c'est Itoro Bon. Et lui, c'est Buruburu Jibi pour faire court. Itoro s'occupera de la cuisine et lui, il s'occupera du portail. Madame, vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas ajouté OSS, entre parenthèses. Officier supérieur chargé de la sécurité. Et c'est ça, oui, il faut préciser ça. Ok, officier supérieur de sécurité. C'est ça, ok. Très bien. Alors, Jibi et Itoro, c'est ça? Voici mes amis. Eh bien, ce sont elles qui vous payeront. Donc, c'est de la même façon que vous me respectez que vous devez les respecter. Je ne veux entendre aucune plainte. Et si à un moment, l'une d'entre elles dit qu'elle n'a plus besoin de vous, vous êtes virée. C'est comme ça. T'as figé? Ok, y compris celle-ci? Oui, tout le monde. Je crois que tout est dit. Je retourne à ma zik. C'est compris. Alors... C'en est terminé. Je veux juste sentir ta chaleur. Ouvre-moi tes jambes. Vas-y, j'ai dit. Mon amour. Elles sont très bien. Je danse très bien. Écoute, tu es venu ici pour travailler et non pour danser. Retourne à ton poste. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On va se ramasser celui-ci. C'est bon. T'en fais pas pour ça. Je l'ai allé. Il va se taire, lui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quoi? Que veux-tu que je fasse? Je ne sais même pas ce que je fais là. Passez une bonne nuit. Quoi? Tata? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il ici? Madame, je viens de finir de faire le ménage dans toute la maison. Et j'ai dit que je viens d'abord me relaxer un peu avant d'aller dormir. Tu as dit que tu viens de relaxer. Tu viens de relaxer sur le divan.
sur le divan. Tu vas te lever de là et poser tes fesses par terre. Assieds-toi par terre, bouge tes fesses là. Gagne le sol. Ah, mais tu pues la merde. Non, mais... Ah! Itoro? Madame. Pourquoi es-tu assise à même le sol? Madame, j'ai fini de faire le ménage dans toute la maison. J'ai tout lavé, fini. J'ai dit que je viens ici pour me relaxer un peu avant que le sommeil ne m'emporte. Et après, je vais aller me coucher. Après, Madame Démon est venue dire que mes habits sont honteux, que je dois m'asseoir par terre. Sente-toi-même. Est-ce que ça sent? Lemon. Quoi? Mais pourquoi tu cries? Tu fais semblant de ne pas m'avoir entendu. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi lui as-tu demandé de s'asseoir par terre? C'est ce que je ne comprends pas. Dieu du ciel! Tu l'as regardée? Elle est sale! Elle pue! Je pensais que tu étais quelqu'un de humble. Comment peux-tu être si méchant? Je veux dire, un être humain comme toi, tu n'as aucun droit de lui dire de s'asseoir par terre. Excuse-moi, madame l'humble. Est-ce que tu me cries dessus? Tu le fais devant elle? Tu me cries dessus devant elle? Non, je ne crie pas sur toi. Je crie sur tes ancêtres. Tu ne dois pas la traiter ainsi. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est bon, là. Je ne vais pas supporter ça. Tu ferais mieux de la bouffer. Oh, je ferais mieux de la bouffer. Foutesse. Non, mais quelle méchanceté. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. De la pure méchanceté. Et tu trouves toujours l'opportunité de l'afficher. Itoro. Oui, madame. Si tu as besoin de quelque chose, alors, tu peux me le demander, d'accord? Tu es un membre de cette maison, c'est compris? D'accord, madame. Assieds-toi sur le divan. Assieds-toi sur le divan, c'est bon. Vous dites que je m'asseye sur le... Ça s'appelle le divan. Divan. Le divan. Divan. C'est ça. Merci, madame. C'est bon. Le divan. Divan. Ah, ah. Pourquoi le portail est-il fermé? D'ailleurs. Jibi! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce fou? Jibi! Bien fait pour toi. Jibi! Le portail est fermé. C'est fermé, je n'arrive pas à trouver cet idiot. Jibi! Madame. Où est Jibi? Madame, il n'est pas couché dans sa maison. C'est comme s'il est sorti. Non, mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Non, mais... Hein? Désolé. J'étais aux toilettes. Je sais pas ce que j'ai mangé. Ça m'envoie seulement aux toilettes. Oh, ouvre le portail. J'ai entendu? Écoute, si tu continues de cette façon, tu vas perdre ton travail. Si tu ne fais pas bien ton travail, tu perdras. Attendez. Ouvre le portail. Attendez. Mais ouvre le portail. C'est ouvert. Hey. Bye. T'occupe pas d'elle. Désolée, un petit souci. Lui, c'est Jibi. Allez, Jibi. Bonjour. Et là, c'est Itoro, la ménagère. Itoro dit bonjour. En fait, c'est ça, tu sais quoi, certaines personnes ont rencontré des folles partout, même dans nos maisons. Alors, de grâce, ne regarde pas tout ça, d'accord? Ah, que je sais même pas qui elles sont. Je retourne aux toilettes. C'est ton travail, tout ce que tu sais faire, c'est chier partout. À la ferme. Ibout. Qui est Ibout? Retourne aux toilettes, tout ton travail, c'est chier partout. Vieille folle. Idiote. Sorcière. Vieille folle. Vieille folle. Vieille folle, idiote. Ouais, allez les gars, c'est ça. Continue à m'envoyer des cœurs. Chinedou. Hein? C'est maintenant que tu te connectes à mon live. Tu penses que je ne vais pas réussir? Ouh, je le bloque. Oh, désolé les gars. Ouh, bisous. En fait, c'est ça. Merci. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi de l'amour. Ouais, envoyez-moi des cœurs. Vous savez que je dois y arriver. Salut. Ah. Je veux être ton mec. Hein? De grâce, ce n'est pas ce qui m'amène ici, oh. Ifioma. Je veux que Ifioma. Tu...
Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Ok. Désolée, je suis à toi. Vous en faites pas, les gars. Je reviens, ok? On fait une petite pause. Je vous reviens d'ici peu, ok? Bye. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Où est-elle? Qui est où? Oh! Ma capella. J'avais presque oublié, je me suis emportée. Je te l'ai dit. Hein? Je te l'ai dit, elle sait déjà beaucoup à ton sujet. La seule chose qui reste à faire maintenant est de vous mettre en contact. Dès que je vous mets en contact, oh, c'est un Rocco. Vous allez commencer, tu sais, à faire les choses ensemble. En fait, c'est ça. Ouais. Alors écoute, laisse-moi te dire la vérité. Une fois que ça va matcher entre vous deux, hein? Ne m'oublie pas. La seule chose que j'attends de vous deux, c'est... C'est que vous m'envoyez des cœurs, juste attends, des cœurs. Je vais te couper. Je te coupe. J'espère que tu ne me racontes pas des salades. Tu me dis qu'elle est prête. Et si en me voyant, elle ne m'apprécie pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi ça si en te voyant, elle ne t'apprécie pas? Quelqu'un à qui j'ai dit presque tout de toi. Elle était blasée, elle était contente. Elle m'a dit, oh, ne t'en fais pas, je pense qu'elle me plaît. J'ai dit, hein, qu'est-ce que tu dis? Elle a dit, je pense que je l'aime déjà. Ce qui veut dire qu'elle t'apprécie déjà. Tu sais, cette fille pâle, façon bizarre. Toujours des gros mots en français, mais parfois je ne comprends pas, oh. Je fais juste semblant si elle dit quelque chose. Je l'entends pas. Je dis oui. Oui, oh, oui. Mais j'entends que dalle. Ma sœur, au cas où tu voudrais lui parler, mets tes oreilles à mon écoute, tu risques de ne rien comprendre. En fait, c'est ça. Laisse-moi retourner à mes abonnés. Alors, je disais tantôt que je suis de retour. Je suis de retour, les gars. Alors, mon ami que voici aimerait vous dire un petit mot. Alors, ma belle, on conseille pour mes fans. Tu arrêtes ça, s'il te plaît. J'aime pas du tout ça. Allez, s'il te plaît, juste un mot gentil. Allez, ma puce. J'aime pas ça. Je peux pas manger en paix. Passe le temps. Le temps, mais mes soutiens n'est pas de comment. Vous verrez. Je partirai d'ici. JB? Tout le temps. JB! Mais où est-ce qu'il s'est passé? Vous allez voir. JB! Je ne vais pas penser que c'est moi. Hé, calme-toi. Du calme. Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'un grand garçon comme toi peut pleurer comme un bébé? Écoute, je vais te le dire. Je vous ai pas supplié de m'embaucher. Je vous ai rien demandé. J'étais danseur dans mon village. Mais le fait qu'elle laisse sa copine m'insulter, c'est ça qui m'énerve. Et parce que tu me connais pas, attends, laisse-moi te dire. Elle a besoin que je fréquente mes relations. Si tu l'aimes pas, tu vas fermer ta bouche. Si c'est ce genre de personnes qui me sollicitent, qui veulent de moi pour que je sois un danseur, tu vas pas me croire. Okay, je suis un grand danseur. Je suis un grand danseur. Et tu penses que je blague? Je pense que je blague. Ok, laisse-moi juste. Tu penses que j'ai besoin d'une vidéo vixine pour ça? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que tu cries de la sorte? En plus, j'ai déjà fait mon choix. Vaseline. Ouais. Regarde-moi, je ne parle pas de Vaseline, là. Qu'est-ce que t'es bête? J'ai parlé de vidéo vixine et non Vaseline. Qui est Vaseline? Écoute, tout ce que tu racontes, je n'y connais rien. Tout ce qui me concerne, c'est que je ne vais pas te supplier pour un rendez-vous. Je vais me croire. Pourquoi ça ne va pas? Moi, te supplier. Si je te dis, tu ne comprendras pas. Ce que je veux te dire, c'est que si tu ne fais pas de moi ton danseur, tu le regretteras. Je jure. Tu vas le regretter. Je vais le regretter ça, comment? Tu sais quoi? C'est clair que tes fesses ne peuvent pas bouger comme ces filles sexy que je connais. Alors, la partie la plus difficile, ou alors la vérité, c'est que tu la boucles. Moi, me taire. Mais qui dit ça? C'est moi qui le dis. Quoi? Regarde. Attends. Je vais te montrer que mes fesses bougent plus que les tiennes. Tu mets en défi, moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois ça? Oh, s'il te plaît! Attends, écoute. Tu sais quoi? J'ai pas de temps pour ces conneries avec toi. Tu comprends? Alors va juste m'ouvrir le portail. Regarde, c'est ce que tu... Maintenant! Regarde ce que tu...
Mon ami, dégage avec tes fesses séchées comme du poisson fumé. Dégage, ouvre-moi le portail. Mais avec ses fesses séchées comme du poisson fumé. Pardon, ouvre-moi le portail. Dépêche-toi, j'ai pas de temps à perdre. Ouvre-moi le portail. Pourquoi tu me frappes maintenant sans trouver le portail? Dépêche-toi, ouvre-le. Voilà le portail ouvert. T'as des fesses dures comme du poisson séché. Regarde-moi ces fesses dures comme du poisson séché. Tu danses mais que regarde ça. Ça bouge. Dégage-toi, idiot. Tu vois ça? Tu vois pourtant j'ai ouvert le portail. Idiot. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Sorcière, un fesse bouge mais que la tienne. Tu penses que c'est pas danser? Et viens encore me botter. Hein? Aïe! Une vieille sorcière, elle ose me botter. Idiote sorcière, sorcière! Je ne me suis jamais amusée autant, genre, sérieusement. J'ai fait du shopping toute la journée. Je t'assure, tu ne devineras jamais quoi. J'ai vu Trina. Papa, ce qui est arrivé ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas rencontré. Tu veux dire que tu ne vas pas m'acheter une voiture juste parce que je n'ai pas fait ce que tu me demandes de faire? D'accord, bien. Très bien. Je suis venue vous voir et on m'a dit que vous n'étiez pas là. Alors, j'ai décidé de vous attendre. Pouvons-nous discuter? Toute ma vie, j'ai essayé de faire plaisir à mon père. J'ai toujours essayé de faire tout ce qu'il me demande de faire. Et pour une fois que je lui dis non, mon père me tourne le dos. Non, dis-moi, qui est-ce qui fait ça? C'est normal? Ne t'en fais pas, ça va aller, ok? Je suis sûre qu'il reviendra de meilleurs sentiments. Je l'espère. Mais tu sais quoi? Je ne me laisserai pas faire. Il est hors de question que je laisse ce vieux schnock me dicter ma conduite. Allez, viens. Rien à foutre de ça, putain de merde, viens. Rio, je ne parlerai pas pendant un moment. Laissez-moi lire vos commentaires, ok? Je vais aller lire. On y est. Comme voilà. Je ne peux pas m'alléver ma bonne heure. C'est la sexy macapella. Je ne savais pas que vous étiez tous là. Regardez ce que j'ai dégoté. Qu'est-ce que c'est? Viens voir ma puce. C'est donc sérieux du tout. Donc, ce paquet bien emballé et brillant est sérieux? Ah, ben, j'ai atteint un autre niveau. Vous voyez, genre... Quand ils ont su que j'arrivais, avant que, tu sais, quand je suis arrivée, ils m'ont mis au petit soin. Tu sais quoi? J'ai vraiment hâte d'ouvrir ma boutique pour que tu sois ma meilleure cliente. Voilà. Pas de problème, meuf. Tu sais quoi, en ce moment, Jessie est prêt à tout faire pour moi. Qui aurait cru? Tu connais cette fille? Ouais, c'est ma copine. C'est une chouette fille. Ouais, c'est une très bonne personne. Ok, mais tu sais quoi? Je pense qu'elle est problématique. Il faut essayer de la canaliser pour éviter qu'il y ait des soucis dans la maison. Non, t'en fais pas pour ça. Ok. Ma puce. Ouais? Tu vois cette fille raffinée? Elle sera parfaitement disposée pour toi demain, pour la sortie. Demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? La sortie. Oh, ma, tu vois tous ces fringues? Ces fringues, je vais les entasser. Tout ce que tu vois là, c'est pour Don Daisy. Alors le jour, je verrai ce mec, putain. Il n'en croira pas ses yeux. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis désolée que tu parles, Pidgin. Es-tu sérieuse? Je veux dire, sérieuse sur ce sujet de contrat? Je pensais que tu blaguais, hein? Toi, t'es bloquée. Donc t'es sérieuse? Bloquée. Ma puce. Tu dois parler à ton amie. Tous pareils. C'est comme si elle a le virus du palu. T'es sûre que c'est pas toi qui as le palu? Il faut éviter un palu très sévère. La fièvre.
Tu penses que la musique qu'elle fait, c'est une blague, jusqu'à ce que tes yeux vont briller. Tu le verras de tes yeux. Ok, les gars. À présent, je suis prête à discuter après cette longue pause. Aujourd'hui, nous parlerons de sexe et de position. Kevekulu, sexe et position. Vous êtes surpris? Gato, Moïti. Écoutez, je ne vais pas vous parler de mes positions préférées. Mais je connais celle de Sexy Dove. Je pense qu'elle aime la levrette. Alors, quelles sont vos... S'il te plaît, ne mêle pas du tout mon nom à ça. Ok, laisse-moi, je vais tourner la caméra, on va leur demander. Alors, Berry, vous connaissez Berry? Elle ressemble à quelqu'un qui aime le missionnaire. On va vérifier. Berry, ta position préférée? Je suis en live, là. Les gars, on l'écoute, fais-leur un coucou. Pitié, je sais que celle-ci aime les bonnes choses. Pitié. Madame. Hein? Ma sœur en Christ, ne te fâche pas, oh. Je ne suis pas venue te déranger. Ok. C'est juste que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à toi pour venir te parler. Je m'appelle Sœur Itoroban. Depuis que tu as commencé à venir dans cette maison, je t'observe. Je t'observe comme ça. Va droit au but, s'il te plaît, je suis pressée. D'accord, ne te fâche pas. Ma sœur en Christ, le Saint-Esprit me demande de te dire que tu dois te repentir. Tu dois te repentir parce que les choses que tu fais ne sont pas bien. La vie que tu mènes n'est pas bien du tout. Et ce genre de vie ne pourra que te conduire en enfer. Depuis, je t'observe et j'écoute les choses qui sortent de ta bouche. Tout ce qui sort de ta bouche est diabolique. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Ce n'est pas bien. Zuntamba, regarde-toi très bien. Regarde ce que tu portes. Si je soulève ça, on va voir ton caleçon. Regarde tes seins. Tu mets tout dehors. C'est bien? Ce n'est pas bien. Réponds-toi. Sinon, tu brûleras en enfer. Bon. Merci infiniment. Puis-je partir? Pas encore. Le Saint-Esprit n'est pas... Bah! Il sent ou coûte? Fonimé. Ma sœur, le Saint-Esprit dit que tu te mettes à genoux. Pour que je prie pour toi. Le Saint-Esprit dit que cette bouche que tu utilises pour dire ces mauvaises, mauvaises choses, que je ne peux même pas sortir de ma bouche, c'est cette bouche qu'on doit délivrer. Pourquoi tu ne dises plus ces mots? Alors tu vas changer ton cœur, c'est-à-dire aimer Dieu, accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Madame, à genoux. C'est toi Dieu? Voici Ikan. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Seigneur. Je n'ai jamais dit que j'étais le Seigneur. Je suis juste son messager. Alors, dis à ton Dieu que je n'ai pas le temps. La prochaine fois que tu m'interpelles, crois-moi, tu vas le regretter. T'as la chance que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Madame, réponds-toi, oh. Réponds-toi. Le feu de l'enfer est réel. Tu es très belle pour aller en enfer. La Bible dit, il arrive, il y aura des grincements dedans. Alors nous sommes parmi tous ceux qui vont pleurer. Ma, oh non, réponds-toi. Des pécheresses, elles sont partout, des pécheresses partout. Hein? Des pécheresses, réponds-toi. Amoyaneki, Iyo. Tu vas crier, ma, oh non. Tu sais quoi? Mon père m'évite à tous les niveaux. Il ne prend pas mes appels depuis la dernière fois. Je pense qu'elle essaie juste de t'éloigner de ton père. C'est ça. C'est ce qu'elle essaie de faire. Mais le truc, c'est que je lui ai dit que s'il n'est pas d'accord avec mes choix, il n'a qu'à aller se faire foutre. Ouais, au point où j'en suis, je m'en fiche éperdument. La vérité est que je souffrirai pendant un petit moment, mais la lionne finira par se relever. Écoute, ma chérie. Je ne connais pas ton histoire. Mais s'il y a une chose que je peux te dire tout de suite, tu peux le faire sans ton père, ni ta tante, ou alors n'importe qui. J'ai compris. Je ne vais pas te mentir, là, d'accord? Oublie tout ce bruit que je fais. J'ai peur. Genre, vraiment peur. Toute ma vie, je n'ai jamais rien fait sans l'argent de mon père.
Alors c'est le vieux schnock arrête de me donner de l'argent. Je suis foutue. Je suis morte. C'est en fait ça. Ah, voyons. T'as pas besoin d'avoir peur. Écoute. Tu peux suivre mon lien. J'ai un lien qui me permet de me faire de l'argent. Et là, tu ne dépendras plus de personne. Crois-moi. Alors là, je suis pas contente. Tape-moi 5. C'est que tu m'as capé, là, va te dégueuler. Ouais, bébé. Thank you.
Madame, madame, le feu! Le feu dans la maison, le feu! Je vais sortir le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu, sortez le feu! Le feu! Désolé, je blague. Désolé, je blague. Mais, JB, mais pourquoi? Pourquoi cries-tu? Désolé, je m'excuse. Désolé, désolé. Dieu merci, j'ai déjà ma page sur mes réseaux sociaux. Alors crois-moi, je serai la première personne à mettre un gros like sur ma photo. Es-tu sérieuse là? Il est question de vie ou de mort et toi tu parles de... JB. Hein? Est-ce que tu peux me dire qui est-ce qui te poursuivait? Oh non, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je blaguais, c'était la blague. C'était une blague, personne ne me poursuivait. J'ai juste voulu me faire une blague. Et j'ignorais que vous allez courir. Écoutez, madame, vous savez, c'est lorsque j'ai crié. Hé, hé! Je m'attendais à ce que vous me demandiez ce qui se passe. Je ne savais pas que vous allez courir. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Attends, j'essaie de comprendre, parce que ce que tu racontes n'a pas de sens. De quoi est-ce que tu parles? Ce que j'ai dit, j'ai remarqué que quand j'entrais, juste avant d'entrer, vous ne me regardiez pas. Je vous ai regardé, vous avez fait « Ah !» Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai décidé de vous faire une petite blague. Je voulais vous faire peur. Puis j'ai lancé le truc. C'est bon. Tu vois tout ça? Crois-moi. Merci parce que tu ne peux pas le poster sur les réseaux sociaux. Parce que si c'était le cas et que je suis la première à le commenter, tu ne vas pas apprécier, mec. Je le pense. Ah! Tu vas arrêter de rire, oui? Allez, dégage d'ici avant que je ne m'énerve. Oh mon Dieu, ce gars est si drôle. Tu es encore là, toi? Putain, ce mec, qu'est-ce qu'il est drôle. Regarde, il est en train de faire un challenge avec quelqu'un d'autre. Allez, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. JB! Oh mon Dieu. Ok, je vais faire quelque chose pour toi si tu m'invites chez toi. Je t'aime. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es chaud. Oh sexy macapella. Bébé, ouvre, ouvre, laisse-moi entrer dans ton jardin secret. Oh, fais-le pour moi. Dans la boîte. Oh, yeah. Je t'aime. Je suis désolée. Désolée, madame. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Je ne puis rien. Oui. Un beau gosse. Avec une très belle voiture. Il est garé dehors, il dit qu'il cherche Madame Acapella. Oh, s'il te plaît, va-t'en, tu m'embêtes. Acapella, ce qu'il essaye de dire, c'est que notre chef de sécurité dit que quelqu'un demande après toi dehors. Oui, va voir qui te cherche. Il a dit qu'il s'appelait comment? Est-ce qu'il m'a vu à la télé et ce ne serait pas Don Jay-Z par hasard? Hein? Hein? Elle demande si la personne, tu sais qui c'est. La personne, tu dis... Si je le connais. Non. La personne s'appelle Samuel. Il s'appelle Samuel. Samuel. Ferme-la. Tu sais quoi? Vas-y et dis à cette personne que je ne veux voir personne. Je ne suis pas disponible. Je te l'ai déjà dit. Tant que ce n'est pas Don Jay-Z. Déjà que ce n'est pas Don Jay-Z, je m'en fiche. Allez, ma puce. Je vais te dire pourquoi ne sors-tu pas pour voir qui demande après toi avant de l'envoyer balader. Je ne pige rien là, j'ai toujours été claire là-dessus, tant qu'il ne s'agit pas de Don Jay-Z. Je ne veux voir aucun homme, je suis disponible pour personne. Hein? Elle dit qu'elle ne veut voir personne d'autre que Don Jay-Z. Et c'est comme ça. Attends une minute, ok? Allez, ma puce. Jusqu'ici, je t'ai soutenue dans tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, ce que tu viens de dire là. Tout de suite, je vais dire comment peux-tu refuser un homme visible ou un homme invisible? Oh, s'il te plaît! Je ne te le permets même pas. Et qui t'a dit que Don Jay-Z était invisible?
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ici avec moi. Écoute, meuf, ce gars est encore célibataire parce qu'il ne m'a pas encore vue. Le jour où il me verra, meuf, il m'épousera. Donc, ne dis plus jamais qu'il est invisible parce qu'il ne l'est pas. Et toi, la ferme. Don Jazzy est invisible pour toi. Je peux parier sur tout ce que j'ai. Tu n'as jamais posé les yeux sur lui. J'ai pas besoin de poser les yeux sur lui. Ce que je dis, c'est lui qui doit poser les yeux sur moi. Ouais, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Si comme ça, je ne veux voir personne d'autre. Dibi, tu effraies mes abonnés. S'il te plaît, merci. Ok, les gars, désolée pour cette petite transition. Faites du bruit pour Dibi. Oui, oui, c'est moi, Dibi. Allez, regardez-moi. S'il te plaît. Alors, Dibi, un peu de breakdance pour tous ceux qui te regardent. Allez, donc, Dibi, c'est bon là. Dibi, à son poste. Dibi, c'est bon. Dibi, vas-y, danse. Tourne. Retourne à ton poste, allez, vas-y. Dibi Lita. Voilà, les gars, c'était Dibi. Oui, envoyez-lui des cœurs. Envoyez des cœurs pour Dibi. Je vais. Oui, bébé. Et trois. D'accord. Et un. Et deux. Et trois. Lemon. Et quatre. Et cinq. Tu peux baisser d'un ton, s'il te plaît, je suis en ligne. Qu'est-ce qui est quoi? Et quatre. Et cinq. Et six. On saute. On saute. On saute. On saute. Je dis un peu de silence. On saute. On saute. On saute. On saute. On saute. On saute. Ok, babe. Moi. Laisse-moi. Non, c'est bon, tu es en sécurité ici. Laisse-moi. Reste tranquille. Oh, laisse-moi. Je te laisse. Je n'aime pas ça. Ibi. Ibi, laisse-moi tranquille. Tu me fais mal. Laisse-moi partir. Ibi. Tu es en sécurité. Tu me fais mal. Laisse-moi. Attends. Ah, tu m'as mordu. Quoi, tu m'as mordu? Iboute. Quoi, tu m'as mordu? Toi. Tu m'as mordu. Réponds-toi. Réponds-toi. Compris? Regardez-le. Espèce d'idiot. Apprenti. C'était bon. Hein. Va pas avec toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Qu'est-ce qui est quoi? Oh,
Mon Dieu. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu es effrayante. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous criez toutes? Pourquoi est-ce que vous criez et courez toutes? Oh non, 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 non. Attendez une seconde. Est-ce à cause de cette merde sur mon visage que vous courez, kitty kitty, kata kata? Oh mon Dieu, toutes les femmes doivent le faire tout le temps. Parce que votre copine doit avoir un visage éclatant pour Don Daisy. Lorsqu'il me verra, il doit être blasé. Vous voyez un peu de quoi je parle, meuf. En plus, les filles. Quel Don Daisy? Je pense que quelque chose cloche chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. Oh mon Dieu, allons-y, les meufs. En position. Tony, 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 Tony. Vous êtes prêtes? Allez, 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 allez. Dehors. 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 Qu'est-ce que tu fais? Dehors. Allez, me poses-tu devant? Non, mets-toi dehors. Non, 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 je peux pas m'approcher d'elle. Tu dois t'améliorer, oh. Sinon, ce n'est que ton père qui achètera les chansons que tu composes. Encore faut-il qu'il soit intéressé. Je prends ça comme un compliment. Mon popotin bouge, bouge, bouge. Mon popotin. Mon popotin est sucré. Mon popotin est... Mon Dieu, Buck! Ça pue! Ça ne sent vraiment pas bon! Oh mon Dieu, ça pue! Mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a un problème avec son ventre, quoi! Aucune idée! Mais putain, je t'ai parlé d'elle, mais tu n'as pas voulu... Coucou, les filles! Salut! C'est quoi cette odeur? Mon Dieu, ça se lègue, putain! Putain de merde! Taille, meuf! Tu sais quoi? En ce qui concerne ton ami, j'ai vu un bol de Dagbo dans sa chambre l'autre jour, tu le savais? Cette meuf passe le temps à nous bourrer le crâne avec ses grands airs. Elle nous a dit qu'elle ne mange pas la cassa et se fout de nous. Crois-moi, elle s'en met plein le ventre. Tu sais ce que je pense de cette fille? Je pense qu'elle ne vit que de mensonges. Oui, je sais. Tu le sais, vois-tu, elle nous a dit qu'elle ne mange pas la cassa. Elle est toujours maniérée. La prochaine fois, elle nous dira qu'elle ne mange que du caviar, des pizzas, blablabla. Est-ce que t'as remarqué que... Elle ne s'habille jamais sans porter de guêtre. Tu as raison. Ouais. Merde, putain, tu as vraiment c'est raison. C'est quoi cette odeur entre un chat mort? Ouais, ouais, j'ai raison. Où est-ce que je... Oh, mon Dieu, j'ai tout oublié. Comment est-ce que je chantais encore? Comment suis-je censée le savoir? Oh, non, 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 j'avais les paroles, mais... Oh, ouais, ouais, ouais. Ah. Mon po-po-po-po-po-po-po-po-po. Oh, merde, c'est fichu. Elle a tout gâché avec son odeur. Wow. C'est moi. Jimmy, qu'est-ce qu'il y a? Que viens-tu faire ici? Retourne à ton poste avant que quelqu'un ne te voie. Allez, va-t'en. Calme-toi. Je suis venu pour que tu me délivres. Tu vois, c'est vrai que tu appelles le feu de Dieu. Écoute. Je ne vais pas prendre tout mon temps. Je vais juste entrer pour rencontrer le Saint-Esprit. Chap, chap. Ibi.
Ne me crée pas de problème. Mais qu'est-ce que tu racontes? Retourne à ton poste. Je ne veux pas d'espoir. Va-t'en. Mais attends. La seule personne qui vient ici, tu comprends? C'est moi. Tu comprends? N'oublie pas que tu es ma sœur. Tu es ma sœur de la chambre obscure. Et s'il te plaît, tu sais, je ne serai pas lent. Dès que je rencontre le Saint-Esprit, je ressors immédiatement. Tu aimes les problèmes. Non, ne dis pas ça. Tu vas aimer. Attends. Tu dis non. Dis-moi. Attends. Que se passe-t-il ici? Jésus! Que tout est esprit! Le feu du Saint-Esprit! Et ton mot! Le feu! Amen! 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 Que se passe-t-il ici? Madame. Madame, c'est que. Il y a beaucoup de tentations. J'ai donc décidé de venir ici dehors pour prendre contrôle des lieux et prier contre les tentations. Oui. Et madame, écoutez, il y a plein de tentations dans cette maison. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je vienne pour que je l'arrête et pour que nous prions. On dit que c'est le fer qui combat le fer. Oh. Vous savez que je n'ai pas eu le temps de vous informer quand elle m'a demandé de venir prier avec elle. Vous voyez? Hey! Feu du Saint-Esprit! Arrête, maman! Le feu! Le Saint-Esprit! Le feu! C'est bon. Hey. S'il te plaît, nous sommes affamés. Fais-nous quelque chose à manger. Dépêche-toi, d'accord? Ok, madame. D'accord. Hey. Madame, dans 10 minutes, ce sera prêt. Le feu! Hey. Saint-Esprit, feu! Approche. Saint-Esprit, feu! Toi, tu vas me tuer un jour. Viens. Allez, retourne à ton poste. Va-t'en. Ne me crée pas de problème. Va-t'en. Tu es encore là. Hey! Tu es gourmand, toi. Allô? Ouais. Ok, pas de problème, je vais le faire. JB, viens là. JB, viens là. JB. Viens là. Ok, d'accord, ok. Ok. Ok, c'est d'accord. Ok. D'accord. Ok. Bye bye. Merci. Bonne journée. Dégage! Tu veux m'embrasser? Ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Que le tonnerre te frappe. Écoute-moi. Sous aucun prétexte. Ne laisse pas entrer Sexy Dove, ou peu importe comment il s'appelle, dans cette maison. Mais suis-je bien fait comprendre? Je l'espère bien. Tu as dit, sous aucun prétexte. Toi. J'ai dit toi. Moi? Oui. Que je ne laisse pas Sexy Dove entrer. N'ouvre pas ce portail. Hein? Ne l'ouvre pas. Dibi, ouais. Dibi, mon danseur. Mon amour, vous êtes là? Dibi. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas dit de ne pas ouvrir le portail à Sexy Dove? Mais laisse-moi lui ouvrir le portail. Tu as dit que les gens entrent dans cette maison. Comme si cette maison t'appartenait. Attends, que tu n'ouvres pas à Dove? Oui. Hein? Elle a dit? Dibi, hein? Dibi, mon danseur. Hey, oula. Tu es le meilleur. Oui, madame, je suis ton meilleur oui. danseur. Toi, écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu répètes une telle chose, je te tue. Tu n'es même pas chez toi, mais tu te permets de donner des ordres. Je suis mort. Idiot. Abruti. Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ta maison? Ma tête. Tu parles encore? Abruti.
si je te disais que j'ai grandi à New York? Ça, c'était possible. Quand je t'ai entendu parler au téléphone avec ton père, j'ai souri. Parce qu'en fait, c'est mon histoire. Tu m'en vois confuse, là. Mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai perdu ma mère à l'âge adolescent. Donc, j'ai grandi avec mon père et mon petit frère. Mon père voulait que j'étudie la médecine. Mais je lui ai dit que je n'étais pas du tout intéressée. Il s'est mis en colère et il m'a dit « Comment peux-tu dire que tu n'es pas intéressée par la médecine ?» En fait, il me voyait dans une blouse blanche et tout ce qui va avec. Plus je m'entêtais, plus il insistait. Alors un jour, il m'a demandé de l'accompagner au Nigeria pour une cérémonie. Et quand nous sommes arrivés ici, il m'a abandonnée. Quoi? Ton père a fait ça? Wow! Mais pourquoi? J'en sais rien, tu sais. En fait, il a dit à ma tante que j'ai. Il lui a dit que j'ai refusé de lui obéir, de faire ce qu'il me demande et que le fait de rentrer au Nigeria m'apprendrait comment m'en sortir toute seule. Mon Dieu! Mais pourquoi n'as-tu pas cherché de l'argent pour retourner au States, meuf? Parce qu'il est parti avec tous mes papiers. Impossible d'y retourner. Tu sais quoi, meuf? Ton père est une méchante personne. Je ne le pense pas. Bref, j'ai appris à m'en sortir toute seule. J'ai appris beaucoup de choses comme vendre dans la rue, tout ça. Il a voulu m'envoyer de l'argent, mais j'ai refusé. J'adore ton père. Ah, j'adore ce mec. Oh, ton père a eu le courage de te faire ça? Ouais. Oh, waouh, mais quelle histoire, putain. Waouh. Aujourd'hui, je lui dis merci. Ah, j'aimerais que tu le dises là où ton père se trouve. Seigneur, je veux te parler, oh. Je veux te parler parce que cette histoire commence à me fatiguer. J'ai déjà trop souffert. J'ai déjà trop souffert. Je fais ce que je ne suis pas censée faire. Toutes les filles de mon âge que je connais sont déjà toutes mariées. Toutes mes amies sont mariées et même mes ennemis. Elles sont toutes mariées. Il ne reste plus que moi. Regarde, les gens se moquent de moi. Même les gens du village me demandent, Itoroban, qu'est-ce que tu attends? Quand vas-tu te marier? Quand vas-tu te marier? Ils se moquent de moi. Seigneur, c'est bien. Si je ne suis pas ton enfant, dis-moi. C'est mieux que je le sache maintenant. Si je ne suis pas ton enfant, dis-le-moi. Je reste ici. Je souffre. En longueur de journée, on appelle mes égales. Madame, madame. Et moi alors? Pourquoi pas moi? Mon Dieu, c'est de trop. Donne-moi un mari riche pour que je sorte d'ici. Donne-moi un mari riche pour que cette moquerie s'arrête. Je suis fatiguée en tant que bongero. Donne-moi un mari riche à épouser pour que je parte d'ici. Embarrasse-moi avec un mari riche pour que je parte de cette maison. Fais-le. Oh Seigneur, viens libérer mon mariage aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai pas fini de te parler, oh. Je veux te parler. Pas de mari riche, de des hommes pauvres. De des hommes pauvres. De des hommes pauvres que tu mets sur mon chemin. Maintenant, je te commande aujourd'hui de me donner un mari. Ouvre-moi les portes du mariage pour qu'on m'appelle aussi madame. Moi, je veux te parler, oh. Seigneur, ouvre grand tes yeux et regarde-moi très bien. Ne suis-je pas bien? Ne suis-je pas belle? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me donner un mari? Maintenant, Tioma raconte partout que je suis jalouse d'elle. Tioma, Tioma,
qui ressemble à un hippopotame. Je ne pense plus pouvoir le supporter. À mon âge, je n'ai pas de mari. Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu le Père, je t'invoque aujourd'hui. Je te demande de bénir Madame Pitchis. Bénis Madame Aberry. Bénis Madame Acapelia. Bénis les toutes avec un bon mari. Un mari qui prendra soin d'elles. Un mari qui les aimera. Au nom de Jésus. Amen. 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 Feu! C'est ça. Madame, j'ai vu un cafard. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Madame, il n'y a pas de cafard. Pourquoi es-tu si triste? Madame, je pleurais, mais pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de joie, parce que ma Bible m'a dit, la joie, comme une rivière, coulera. Demandes-tu toujours un mari à Dieu à chaque fois que tu pries? Non. Les bonnes choses viennent de Dieu. Ok. Quand je serai prête à me marier, Dieu va me donner un mari. Pour le moment, je prie juste pour vous et Madame Aberry et Madame Acapelia pour que Dieu vous donne de très bons maris qui prendront soin de vous. En d'autres termes, tu n'es pas encore prête à te marier. Il planifie pour moi de bons plans. S'il n'est pas d'accord, rien ne va marcher. Il est venu me dire que je ne m'inquiète pas, que je me relaxe. Il m'a dit qu'il prendra soin de moi, dit le Seigneur. C'est très bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Je t'ai rien pour mon Dieu. À toi. Les filles, écoutez, écoutez, écoutez-moi, yo. Écoutez-moi, les filles. Je suis si contente. Je vais dire, je suis une vraie bombe pour être ignorée. Hey, c'est la vérité. Je suis trop belle pour être ignorée. Aïe, aïe. Je suis au-dessus du monde. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'anime autant, Lemon? Ok, les gars, on y va. Oh, j'y crois pas. Vous auriez dû voir ça. Je veux dire, mon bébé, l'amour de ma vie, m'a emmenée dans le meilleur restaurant de la vie. Ma puce, j'ai mangé comme une dingue. Je me suis empiffrée comme une malade. J'ai mangé des frites et du poulet. J'ai mangé du shawarma. Et j'ai pris un peu de salade. Bref, j'ai mangé un peu de tout aujourd'hui. Ma puce, je suis rassasiée. Ça, c'est de l'amour pur. Waouh, waouh, les gars. De l'amour pur. Oh, véritable amour, c'est peu dire. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il est prêt à tout pour moi. Il pourrait littéralement mourir pour moi. Ah, les filles, j'ai trouvé l'amour. Super, j'espère que tu as au moins pensé à tes copines. Oui. Et pour tes copines? Ah ouais, à ce sujet. Ouais, en fait, il m'a demandé de prendre quelques trucs pour vous, comme des frites, du poulet, shawarma. Vous savez, de la salade qui va avec les frites. Non! Non, mes potes n'en ont pas besoin, alors pas du tout. Du tout! Ce ne sont pas des affamés. Non. Sérieusement? Oui, très bien, c'est toi qui vois. Vous entendez ça? Ouais. Vraiment? Attends, excuse-moi. Cette vie n'est pas du tout juste. Ce que certains recherchent, d'autres négligent. Quoi? Attends, il s'est proposé de t'offrir à manger et tu as dit non. Parce que tu ne voulais pas t'encombrer. Ah, pourquoi ne m'as-tu pas appelé de venir porter tes paquets? Je l'aurais fait. Non, oui, tu me connais, non? J'aime pas porter des choses en marchant. Et je ne voulais pas t'appeler parce que si je le faisais, on t'aurait vu comme une affamée. Ah, laisse-moi être affamée. Mais tu aurais pu essayer. N'est-ce pas lui qui t'a déposé? Ouais, il s'est proposé de me déposer, d'accord? Il m'a même proposé de m'appeler un taxi, mais tu me connais, non? J'aime faire les choses à ma manière. Je n'aime pas les taxis, j'aime les kékés. Kékés? Ouais, ouais. Vous savez quoi? Les taxis ont des odeurs horribles. Mais vous voyez les kékés?
Les kékés ont cette air pur qui vient de part et d'autre, qui va et vient. Tu sais comment les kékés sont? Quoi? En fait, j'aime les kékés plus. Les taxis. Mm-hmm. Crois-moi. Ouais. Kéké, t'es monté dans une kéké. Je ne comprends pas. On lui a proposé un taxi, elle a pris une kéké. Ah ah. Attends, excuse-moi. Pourquoi entrer dans une kéké qui est si inconfortable? Au lieu d'un taxi dans lequel tu serais plus à l'aise. Mais, j'avais jamais entendu ça. Mais à chacun ses préférences. Mais t'es une grosse mythomane. Non, mais sérieux, arrête. Arrête ton histoire de kéké, parce que je connais quel genre de personne t'es. Et quand je te regarde là tout de suite, tu ne peux pas monter dans un kéké. Tu n'es qu'un mytho de merde. Rien à battre. Libre à vous de me croire. Mais croyez-moi, c'était super. Je me suis éclatée. Je vous assure. Waouh. Les gars, regardez, regardez. Vas-tu enlever cette merde devant moi? Enlève ça. Enlève ça devant moi. Oh, qu'est-ce qu'elle est grincheuse. C'est bon, j'arrête. Elle a demandé que j'arrête de la filmer. Faites pas attention à elle, cette fille a de gros problèmes. Envoyez des étoiles. Et pour la fille de la kéké, faites pas attention. C'est rien du tout, d'accord? Ok, les gars. Vous continuez à envoyer des étoiles. D'accord? Quelques cadeaux. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez préparé? Elle a dit préparer. Pardon? Qu'est-ce que vous avez préparé pour le dîner? Pourquoi demandes-tu ce qu'on a préparé? Je pensais que tu avais mangé des shawarma, de la pizza, du poulet, des frites et tout ça. C'est pas pour moi. C'est pour vous, les filles. Ah, oh, vous entendez moi. Ça, les gars? Les gars? Ah, libère-nous du shawarma et de la pizza. Moi, je n'ai pas mangé depuis le matin. S'il vous plaît, envoyez plus de cadeaux, s'il vous plaît. Et vous êtes là, madame. Et bonjour. JB. Madame. Que fais-tu là? Pourquoi tu n'es pas à ton poste? Eh, un pololo. Un beau pololo comme ça. Et d'ailleurs, il dit qu'il veut voir. Tu veux voir Madame Lemon? T'a-t-il donné son nom? Non, tellement je t'ai emporté. Je n'ai vraiment pas pensé à lui demander son nom. À quoi ressemble-t-il? Il est comme ça. La calvitie. Et voilà, il a une grosse calvitie. Il est vraiment très bien bâti. Un beau gosse. Pololo. Vous voyez? Le genre de gars très sexy. Es-tu sûr qu'il n'est pas un gars de shawarma? Fais-le entrer, ok? Que je vois le gars et qu'on en parle à propos. Ha! Madame, je ne comprends rien de tout ce que vous dites, de grâce. Répétez pour que j'applique le protocole. JB, elle t'a dit de faire entrer ce pololo à l'intérieur. As-tu compris maintenant? Hey, ok. Attendez. Je reviens. Bonjour, les filles. Wow, admirable. Sois le bienvenu. Prends place. Merci beaucoup. Alors? Est-ce que Lemon est là? Oui, Lemon, elle est là. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Oh, ok. Un instant, je l'appelle. D'accord. Les bagages que vous avez apportés, je veux dire, étaient-ils lourds pour que vous les portiez? Sont-ils dehors? Mes bagages? Oui, les sacs. Non, je n'ai pas de bagages. Je suis venu tout seul. Oh, ok. Étonnant. Que puis-je vous offrir? N'importe quoi. Je suis vraiment affamé. Affamé? Donc, et si je vous offrais du shawarma, de la pizza, toutes ces choses, vous savez? Ouais, bien sûr, ça sera suffisant. Je préfère du shawarma et une pizza. Et surtout, pas d'alcool. Juste un peu de jus, ça sera suffisant. Du soda. Et puis, un soda pour bien digérer. Pour digérer. Pour bien digérer. Et si on allait avec votre voiture à cet endroit?
où on trouve du shawarma, pizza, toutes ces bonnes choses pour Lemon. Oui, nous allons juste acheter ces choses et nous revenons. En fait, je n'ai pas de voiture. En fait, je viens d'arriver dans la ville. Et hier, Lemon a décidé de m'emmener dans un tout petit restaurant du quartier. C'est là-bas que nous avons déjeuné. Restaurant commun? Oui. Vraiment? Tu l'as entendu? Ok. Un instant, je reviens. Okay. Soyez le bienvenu. Merci. Il n'y a pas quoi. Faites comme chez vous, ouais, d'accord? Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Oh. Kiss. Avance. Oh, bébé. Bébé, tu ne m'as pas dit que tu avais une amie aussi accueillante. Elle est très charmante. Qu'est-ce que t'es venu faire ici sans m'appeler? Mais je l'ai fait. Je t'ai même bipé. Tu m'as bipé? Oui, je t'ai bipé. T'as pas de crédit dans ton téléphone. Le forfait était épuisé. Allons-y. Elle a promis de m'offrir des shawarma. Allons-y. Mais attends. Bébé. C'est la toute fille. Oh mon Dieu. Je suis morte de rire. Madame, reviens. Tu te crois maligne? Non, tu te crois maligne? Non, il est grand temps que quelqu'un te remette à ta place. Et c'est moi qui vais le faire. Non, tu te crois maligne? Hein? Mais tu n'es qu'une grosse idiote. En fait, tu es plus idiote que Macapela, mon ami, et ton ami, toutes les trois réunies. Oui, t'es qu'une mendiante en ligne. Tu passes ton temps à mendier partout. Tu n'arrêteras pas de mendier tant que tu ne te retrouves pas dans des problèmes. Oui! Donc vous êtes toutes de connivence pour m'insulter. Hein? Tu n'as pas peur? Tu te permets de mêler de mes problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, je viens seulement ici pour mes affaires. Je ne me mêle pas des problèmes qui ne me concernent pas. T'es vraiment stupide! Il faut mater stupide! T'es très très stupide! Qui es-tu? T'es qui toi? Hein? Tu te prends la tête, tu hausses les épaules. Tu te crois chez toi ici? Ça ne va pas. Hein? Tu as même le toupet. Tu as même l'audace de m'insulter, d'associer à mes amis. Est-ce que t'es folle? Je ne suis de connivence avec personne. Laisse-moi te dire, j'ai pas de temps pour des chamailleries. J'aime rester dans mon coin. Okay. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Allez où? Où comptes-tu aller? Et si je dis que tu ne bouges pas, que vas-tu faire? Non, Ifoma ou peu importe, comment tu t'appelles? Que vas-tu faire? Non, non, si on nous laisse, tu peux t'en sortir, tu peux me battre? Tu ne peux pas me battre, c'est impossible. Oui, à présent, laisse-moi t'avertir que ce soit la dernière fois que mes amis te convainquent de m'insulter. C'est à toi que je parle. Est-ce que tu m'entends? Sinon, je vais t'émietter, tcha-tcha-tcha, comme ça, hein? Je vais t'émietter, tu ne vas rien comprendre. Idiote, n'importe quoi. Je veux te poser une question. Pourquoi essaies-tu de réveiller mon côté animal? Pourquoi? Laisse-moi te dire, je constate que tu aimes vraiment les problèmes. Hein? J'aime les problèmes? Il faut mater folle. Regarde-toi. Tu t'es bien regardé? Tu pues! Je dis que tu pues! Tu es malade? Ça ne va pas? Tu penses que t'es la seule à être folle? Ou à venir du ghetto? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas. Il faut marre, il faut marre, il faut marre. Si je me lève de là, lève-toi. Si je me lève. Toi, vas-y. Ok, tu me tires les cheveux, mes cheveux. Tu. Oh, mon Dieu, regarde ce qu'elles font. Vous les voir arrêter. Attends.
Mais essaie de les séparer. Qu'est-ce que tu fais là? Ikoma, s'il te plaît, arrête. Ikoma, lâche-la. Arrête. Je ne la laisse pas. Ikoma, lâche-la. Ikoma, s'il te plaît. Ikoma, lâche-moi. Je vais te tuer aujourd'hui. Emon, veux-tu te taire? Non, tu la permettes. Je ne peux pas. Je ne peux pas, s'il te plaît. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Arrête-la. Arrête-la. Je t'en prie. Elle peut la suivre. Je l'ai ici pour que tu nous aides à séparer ces deux folles. Mais s'il te plaît, arrête ton ami. Interviens au moins, s'il te plaît. Ifoma, je t'avertis. Ifoma, ton ami est là. Vas-y, fais-le. Libère-toi. Allez, libère-toi. Fais quelque chose. Ifoma, Ifoma, je vais te presser. Ifoma, je vais quelque chose. Libère-toi, allez. Ifoma, libère-toi. Ifoma, je vais te presser. Fais-le. Je vais te tuer. Fais-le. Je me lève de là. Ne bouge pas, tu vois. Je vais Ifoma. Qui m'appelle? Qui m'a... C'est moi. Ah, Sexy Dove, c'est toi. Tu es laisse ma puce. Ah, balance-moi, ma soeur. Tout va bien. Ah, dégué de bois, rien ne va arriver. Je vais en finir avec elle. Voilà, t'inquiète. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu gueules, tu gueules. Tu continues. Sexy, mais fais quelque chose. Je n'arrive pas si je me lève d'ici. Allez, meuf, je t'ai appelée ici pour que tu viennes séparer cette merde. Qu'est-ce que tu fais? Ishiome est une grande fille. Je veux dire, je ne peux pas lui dire quoi faire. Hein? Le mieux est de la laisser se calmer elle-même. Hein? Si vous ne la suppliez pas, oh, elle va brûler cette maison. Non! Idiote! Hey. Je vais commettre un meurtre. Mon ami, idiote. Je vais commettre un meurtre. Répète ça, tu as dit. Idiote! Qu'est-ce quoi? Que tu fais? Je te presser! Ifoma, va la tuer! Je te presser! Ifoma, j'ai dit, je ne me lève pas! Je m'en fiche! J'ai dit, je m'en fiche! Je vais lui faire mal. Je me lève. Je vais l'étouffer en t'asseyant sous sa poitrine. Tu la défends? Tu vas rester là! Vas-y, arrêtez ça! Calme-toi, oh! Ifi, arrête! Calme-toi, oh! Arrête! Ifoma ne va pas se lever, oh! Écoutez-moi, Ifoma! Je pensais que Ifoma, ton ami, je suis pas dessus! Donnez-moi à manger! Compris? Ajoutez beaucoup de gala! Si vous voyez du pain mis, ajoutez-moi, je vais manger! C'est tout! Ifoma, lâche-moi! Ne bouge pas! Toi, tu restes là! Tu restes là! Ok, c'est bon, calme-toi, calme-toi! Elle a dit d'aller lui acheter du pain. Hey, à toi qu'elle s'adresse, pas moi. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Hey, fallait lui acheter. Quelle fois, je vais essayer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? N'y va pas. Ifoma, tu es très chanceuse. Essaye donc. Ne sais pas que j'étais folle. Tu es chanceuse. Pas que j'étais. Pardonne-nous, Seigneur. 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 Dieu le Père, je t'en supplie de ce péché qu'elle a commis aujourd'hui. Dieu le Père, pardonne-lui, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il te rebond. Madame, pourquoi es-tu dehors à crier et prier? Ne sais-tu pas que nous avons des voisins? Tu aurais pu le faire dans ta chambre, tu sais. Hein? Dans ma chambre. Non, madame, ce genre de prière, ce n'est pas le genre qu'on fait dans la chambre. Ce genre de prière, c'est le genre qu'on... En fait, si les gens ne prient pas, je prie. Je vais purifier cet endroit. Parce que le genre de péché qu'elle a commis aujourd'hui est très, très, très grave. Le truc, c'est que madame Démon a amené un homme. Ils sont allés dans sa chambre. Ils ont fermé la porte. Ils ont fait « Mouaka, mouaka, mouaka ». C'est un très grand péché. C'est pour ça que je suis venue dehors prier. D'accord, mais tu n'as pas besoin de venir prier là-dehors. Alors, rentre à l'intérieur. Madame, c'est l'extérieur qui est bien pour cette prière. Pour que la prière se répande dans toute la concession. Le péché est très, très grave. Pardonne-nous, Seigneur. Ah oui. Pardonne-nous, Seigneur. Oh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ça ne vaut pas la peine. Pardonne-nous, Seigneur. Oh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dieu le Père,
Je t'en supplie, en tant que ta servante, je te demande de lui pardonner pour avoir amené un homme dans sa chambre. Pour faire moi-ka, pardonne-lui car elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est toi notre Dieu. Madame, bon après-midi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je veux vous parler à propos de quelque chose. Tu veux me parler à propos de quelque chose? Oui, madame. Accouche. Bim! Faille! Madame, je veux vous parler de ce que vous avez fait, notre Dieu, et les anges, dans le ciel, pleurent. Tu veux me parler des larmes du paradis? Tu délires ou quoi? Madame, je ne suis pas folle. Da, vous l'obatim dam na yesuza! Dim! Okulevi kambasi! Di! Iti kinyang e korissom! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hey! Madame, le Saint-Esprit me demande de vous dire que la fornication est un très très grand péché. Que vous, Madame Démon, vous avez offensé Dieu en forniquant et vous irez en enfer. Itorobon, peu importe comment tu t'appelles, j'irai en enfer? Oui, madame. Tu es folle ou quoi? T'es stupide? Da, vous l'obatim d'amna yesuza! Tant qu'il est qu'il est fou, da! Tim! Au coup de vie comme basi! Je m'inquiète vraiment pour vous! Hey! En moi, la fornication va vous finir, oh! Madame! Notre Dieu! A de très très grands yeux, très grands comme ça. Quand vous avez amené cet homme dans votre chambre, pour ma cam, notre Dieu vous a vu et il est très très fâché contre vous. Ça ne va pas. T'es venu ici pour me dire quoi? Hors de ma... Hey! Hey! La prochaine fois, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu viens me voir pour me raconter ces conneries, je vais te brûler. Maintenant, dégage. Madame, répondez-vous. Pour le royaume de Dieu. Reviens ici. Viens ici. Viens jusqu'ici. Viens là. C'est toi le diable. C'est toi qui iras brûler en enfer. Je le rejette au nom tu de Dieu. Tu vas brûler en enfer. Je le rejette au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui ramasse pour tout ça. Amen. Idiote. Que le tonnerre te frappe. T'es vraiment stupide. La prochaine fois que tu me dis ça, je vais te brûler. Tu dois être folle dans ta tête. Que Dieu vous bénisse. Toi qui t'envoie en enfer. Je le rejette au nom de Jésus. Idiot. Amen. Amen. En fait, Amen. Hein, c'est le tonnerre qui va te frapper. Je le rejette au nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. N'importe quoi. Amen. Amen. Répondez-vous. Dieu demande de vous repentir. Pauvre pécheresse, que le feu du Saint-Esprit vous consume. Là où il y a des pécheresses, que le feu du Saint-Esprit vous consume. Vous, ces pécheresses, que le feu du Saint-Esprit vous consume toutes. Toutes ces pécheresses, que le feu du Saint-Esprit les consume. Toutes ces pécheresses, que le feu du Saint-Esprit les consume. Ces pécheresses, le feu du Saint-Esprit les consume. Toutes ces pécheresses, Saint-Esprit les consume. Toutes ces pécheresses, le feu du Saint-Esprit les consume. Toutes ces pécheresses, que le feu du Saint-Esprit les consume. Toutes ces pécheresses, que le feu du Saint-Esprit les consume. Oh oui, bébé. Alors, comment tu vas? Bien sûr, tu le sais. Je vais juste appliquer cette huile. Tu sais, la faire descendre. Descendre jusqu'à ta bite. Je vais te... Tu vas me faire un massage. Mais bien sûr, je vais te toucher, tu sais.
te toucher plus bas, et caresser tes tétons. J'ai très hâte. Et te toucher si passionnellement. Une fellation. Bien sûr, je vais te sucer si fort, passionnellement, jusqu'à ce que tu commences à appeler mon nom. Oh, sexy duff. Oh, sexy duff. Mmh. Oh, sexy duff. Oh, oh. J'ai en va. Saï. Ah, bébé. Je te rappelle plus tard, ok? Bye. Ok, j'attends. J'ai en va. Gonfon, mais tu ne vois pas? Des pêcheurs partout, de mauvaises personnes, de mauvaises personnes. Je ne vois personne de bien. J'ai en va. J'ai en va. Tu ne vois pas? Des pêcheurs. Ferme-la. Des tu pêcheurs. Vas te taire? Comment oses-tu? Je dis, comment oses-tu interrompre mon appel? Hein? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu? Je te mets en garde. La prochaine fois que tu me vois et que tu respires, je vais t'étrangler, espèce idiote. Madame, ne vous fâchez pas. Madame, j'ai un message. C'est toi quand je parle. Madame, j'ai un message de Dieu. Repentez-vous parce que le péché vous conduira en enfer. Vous êtes trop belle. Repentez-vous et vous n'irez pas en enfer. Peu importe ce que tu penses, je ne suis pas l'une des filles de cette maison. Toutes ces filles de bas étage, non, je ne suis pas l'une d'elles. Ok? Comme tu peux le voir, je suis sexy. Une diva, je suis différente. Je ne suis pas comme elle, je suis différente. Alors, si tu veux t'être ici à moi, tu le fais avec beaucoup de classe. C'est compris? Alors, fais attention. Madame. Fais très attention. Madame, vous êtes une bonne personne. Vous êtes gentille, je ne sais pas. Répondez-vous. Sinon, vous irez en enfer. Dégage ceci! Dégage! Dégage! Madame, repentez-vous pour ne pas aller en enfer. Vous êtes très belle. J'ai dit, ne vous fâchez pas. Oh mon Dieu, sors de celle-là. Tu vis lâche, sûrement. Oh bébé, non, 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 non. J'espère que tu n'es pas fâchée. Bébé, s'il te plaît, reviens. Oh, ce réseau, ce fichu réseau. Merde, cette fille. Salut les gars, coucou. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dibi, notre danseur. Ok, alors, il va vous divertir. Ah, Dibi. Allez Dibi. Allez Dibi. Allez Dibi. Merci beaucoup. Merci, vous aimez sa danse? Oh, magnifique. Oh, Jerry, merci. Jerry Aquap, merci. Jerry William, merci. Oh mon Dieu, continuez à lui envoyer des cadeaux. Ça lui permettra d'avoir plus d'argent. Madame. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Ok, les gars, pas d'inquiétude. Tout va bien, ok? Bye. Oh mon Dieu. Papa, papa, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Madame. Oui? Ne vous fâchez pas, oh. Ibi. S'il te plaît, viens avec moi une minute. Ça ne va pas venir, laisse-moi, tu es folle. Tu n'as pas vu que je dansais pour des gens dans cette vidéo. Hein? Si je te dis combien, ce que madame, il faut ma vie de gagner à l'instant. Tu pourrais mourir. Pour voie de grâce. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Bibi, ça va, ça va. C'est bon, hein? Non, t'en fais pas. Va écouter ce qu'elle a à te dire. Laisse-moi continuer, vas-y. Madame, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour avoir compris le message de Dieu. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Amen. Amen. Amen, merci. Merci. Quoi, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ok, les gars. Eh bien, contente de te voir. T'en fais pas. Je suis là, madame Ifoma. Vous... Vous êtes encore là? Pardon? Madame, je pensais que vous êtes entrée. Entrée et mettez. La clim à fond, bien à fond. Ce sera mieux. Ah, oh Seigneur, merci beaucoup pour ta sollicitude. Mais je préfère rester dehors. L'atmosphère est parfaite pour ce business. Continue. Tu vois, tu vois. Madame Ifoma. Madame, ne vous fâchez pas, oh, mais j'ai quelque chose à faire. Allez à l'intérieur. Je ne serai pas longue. Quand j'aurai fini avec lui, je viendrai vous appeler et vous pourrez continuer votre danse. Et tout le bon, peu importe comment tu t'appelles. Tu perds la tête? Mm-hmm. Tu vas bien? Pourquoi tu me déranges? Fais-tu dégager? Désolée, madame. Que Dieu vous bénisse. Why? Passe ici.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée, les gars. Désolée pour cette courte interruption. Je suis de retour. Où est Jibi? Vraiment navré, Jibi n'est pas là. Il revient dans quelques instants. Mais pour le moment, moi, je suis là. Votre chérie adorée. Alors, envoyez des cadeaux via le live. Comme vous pouvez le voir, je suis très chaude. Chaude, chaude comme la braise. Chaude comme la braise. Faites couler des cadeaux à Flo. Faites couler des cadeaux à Flo. Ok. Ouais, Jibi, Jibi arrive. Allô? Hein? Je t'écoute. Ne me dis pas ça. Je ne suis pas, peu importe où tu voudras que j'agirai, peu importe où ça sera, je serai partante. Tu ne peux même pas me rendre le moindre petit service que je te demande. Ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. La seule chose, tout ce que tu as à faire, c'est d'introduire mon nom pour que je sois promue. Depuis que je travaille dans cette entreprise, je suis toujours au même poste jusqu'à présent. Oui, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tu dis que tu m'aimes, tu ne peux pas faire ça pour moi. Tu sais quoi, je veux avoir des idées claires. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Itoro? Écoute, je chauffe, je vais te brûler. Qu'est-ce que tu veux? Oui, brûle-moi. Brûle-moi. Itoro, je t'ai dit que si tu as besoin de moi, tu n'as qu'à me le dire. Ouvre ta bouche et dis-moi ce que tu veux avant qu'on nous attrape. Ah, bébé, écoute, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas te demander la permission. Mon corps me démange. Oui, s'il te plaît, gratte-moi. J'ai envie que tu me grattes. Écoute, tu sais, je savais très bien que tu allais revenir. Quoi, moi, je savais. Suis-moi. Viens. Ma capella. Ouais, mais Scott Neuf, un souci. Ah. Pour ce qui est de ce dont tu t'es parlé, écoute, ma puce, je te l'ai dit, parce que je t'aime, parce que je veux le meilleur pour toi, je veux dire, parce que je veux t'aider. Ce n'est pas de cette façon que je ferai ce que tu me demandes de faire, même si tu me prêches pendant un millénaire. Je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Tu sais pourquoi? Au lieu de faire ce que tu me demandes de faire, je préfère retourner à ma pauvre. Là, au moins, si tu me retrouves. Voyons, ma puce. Bref, ok. Et si je te disais de vendre ton corps, comme toutes les filles le font, je veux savoir, que diras-tu? Faire quoi? Ouais. Il est hors de question que je fasse cette merde. Au lieu que je fasse cette merde, je préfère encore aller sur le net demander l'argent au mendier comme il fait ma meuf. Voyons. Tu es vraiment sérieuse là. Je veux dire, ça c'est très rabaissant. Comment peux-tu vouloir faire quelque chose d'aussi ridicule? Ma puce, écoute, t'as besoin d'argent. Oui. Pour lancer ta carrière, tu as vraiment besoin de beaucoup d'argent. Je veux dire, toutes ces danses ne peuvent pas se donner assez d'argent pour ta carrière. Crois-moi. Réfléchis-y. Tu connais le dicton. L'argent appelle l'argent. Terminé. Non. L'argent ne viendra pas à toi si tu ne bosses pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois travailler dur. Et je ne te vois pas travailler dur. Pourtant, c'est ce que je fais. Non, tu ne fais rien de bon. Ce que tu crois faire ne t'apportera pas d'argent. J'essaye de me faire du fric. Et toi, meuf, tu essayes de me distraire là. Si tu me gueules la tête, je le ferai. J'ai d'autres chats à fouetter. Allez, ciao. Mais tu ne peux pas. Oh mon Dieu!
peux-tu me coller la paix, meuf? C'est quoi ton putain de problème, meuf? Allez, va jouer ailleurs. Ah, putain de merde. J'aime pas quand je fais... Peux-tu dégager? Allez, tourne, allez, tourne, allez, tourne, allez, tourne, allez, tourne. Eh, 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 eh. Ah, 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 ah. Hey, j'ai enfin atteint mon objectif! Oh mon Dieu! Pour atteindre mon but, c'était pas facile! Merci mon Dieu! Merci! Seigneur! Finalement, je vais acheter cette voiture! Hey, eh ouais! Eh ouais! Eh ouais! Eh ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Hey, mes sœurs, levez les mains! Un geste pour Dieu! Un geste, allez! Un geste, allez! Tu es ma seule vraie bestie! Que se passe-t-il? Écoute, hein, j'ai atteint mon objectif de 250 000 likes! C'était pas du tout facile! C'est pour ça que tu veux démolir cette maison! C'est pour ça que tu te permets de nous agacer! Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as eu 250 000 likes, on doit devenir folle! On doit s'envoler! Hein? Je pense que tu n'as pas bien compris. Elle a dit 250 000 naira. Oh. C'est très minable. Attendez, attendez, j'essaye de comprendre quelque chose. Tu as dit 250 000 naira. Ah ah, Ifoma, je suis confuse là. Allez, dis-nous. Attendez, j'ai dit 250 000 likes. Pas 250 000 naira. Oh. Oui, quoi encore? Oh. Est-ce assez pour recharger mes deux téléphones? Mais non. Pourquoi cries-tu? T'es bon marché. Pourquoi cries-tu? Hein? Qu'est-ce que t'essayes de dire? Que 250 000 naira sont insuffisants pour recharger ton téléphone? Ah ouais? C'est quoi 250 000 naira? Je les dépense en autre. Ok, attendez, attendez. Ifoma, as-tu bien dit 250 000 naira? Ah oui? Je suis confuse, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Fais-nous comprendre ce que tu veux dire. Que je dis, c'est que, écoutez, j'essaye de vous dire que... J'ai atteint mes 250 000 likes, ce qui est équivalent à 500 000 naira. Naira! C'est quoi? C'est trop top! Dis-moi, juste une petite question. Ce que tu essaies de nous dire à l'instant est que tu atteins l'objectif dont tu m'avais parlé? Oui! Ah, oh mon Dieu! Tape-moi 5, meuf! C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Alors, quand vas-tu acheter cette voiture dont tu m'as parlé? Quand vas-tu acheter cette caisse? Ouais. Hey, écoute, laisse-moi éduquer cette fille de Lemon. Un instant, les gars, j'arrive. Viens. Lemon, tu dis que 250 000 naira sont insuffisants pour recharger ton téléphone. Tu m'as entendu. Sais-tu que ces 250 000 likes sont équivalents à 500 000 naira? Et je l'ai fait en un mois, simplement parce que je souris aux gens et je les supplie. Des cœurs pour moi, s'il vous plaît, des cœurs pour moi. Et c'est comme ça que je fais du fric. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui se font de grosses sommes avec cette appli. Ouais, des millions par mois. Écoute, je suis juste à 500 000. Très bientôt, moi, Ifoma, j'aurai 2 millions, 3 mimi, 4 mi, puis ça sera 5 mi. Je vais élever le niveau. Tu sais quoi? Ifoma, tu sais quoi? Est-ce que tu peux m'aider à créer mon compte? S'il te plaît, excuse-moi. D'accord. Comment télécharger? S'il te plaît, aide-moi à le faire. Vas-y. T'inscris où? Là. Voilà le téléphone. Tu sais quoi? J'ai pas besoin que tu m'aides à m'enregistrer. Dis-moi juste c'est quoi le nom de l'appli, je vais la télécharger et je vais m'enregistrer moi-même. Capella, calme-toi. C'est moi qui ai appris à Ifioma à faire tout ça. Hein? C'est moi. En fait, c'est moi qui lui ai tout appris. Hein? Alors, pourquoi ne pas me demander de l'aide? Je serais ravie de le faire. Ton téléphone. Ifioma, continue juste, ok? Enregistre-moi, vas-y. Mais je vais t'aider à le faire. Cette appli, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas du tout facile. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je connais cette appli dans les moindres détails. Et vous connaissons toutes les trois. En une semaine, toutes les trois, vous allez hop hop sur téléphone. Vous pouvez m'en croire. Mensonge. Oh, c'est un mensonge, meuf. Je ne suis pas une lâcheuse. Je vais te dire quelque chose. Écoute, tant qu'il s'agit d'argent. Je meurs là. Je vais mourir là. Je t'assure.
Ah, Ifi, vas-y, continue juste avec le mien, ok? Mm-hmm. Télécharge. Je ne sais pas de quoi vous parlez, d'accord? Je suis prête à me lancer, à me faire du fric, vous savez? Mais ce que je veux, c'est qu'en le faisant, qu'on me paye cash. Ouais. Alors, c'est quoi le nom de l'appli? Allô? Alors, bébé, ça va? Ah, très bien. Bébé, je vais te demander quelque chose. Il y a cette appli-là. J'ai appris qu'elle donne beaucoup d'argent. Du genre, si tu atteins un quota de likes, ils te donneront une grosse somme d'argent. Je ne connais pas le nom de l'appli. Non, 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 non. Moi, j'en ai pas besoin. Tu sais que je suis une grande fille. Je suis une grande fille. Domestique, oui. Elle en a besoin pour arrondir ses fins de mois. Hein? Ok. On se trouvera le nom de cette appli, cette parole en ce mois, ok? Pour que je le lui dise. Ok. Ok, pas de problème. Merci infiniment, ok? Merci. Coucou les filles. Meuf, écoute, tu sais quoi? Je n'en pouvais plus t'attendre. Écoute, montre-moi comment on utilise cette appli. Parce que... Macapella, laisse-moi t'apprendre. Je veux dire, Ifioma, entre pour, montre bien. Pas question, meuf. C'est plutôt toi qui vas l'apprendre à Berry et Peach. Elle va me montrer comment on fait, ok? Alors... Non. Écoute, c'est moi qui ai appris à Ifioma à utiliser cette appli. Laisse-moi te montrer, je veux dire, je maîtrise cette appli plus qu'elle. Le fait que tu lui as appris à utiliser l'appli ne signifie pas que tu maîtrises l'appli mieux qu'elle. C'est elle qui va m'apprendre et c'est tout. Tu sais quoi, Sexy Dorf, calme-toi. Je vais lui apprendre comment utiliser l'appli et plus tard, je m'occuperai des autres. Ma chérie préférée, elle est bien. Alors, ok, on y va. Attends. Macapella. C'est à cause de 500 000 Naira que tu appelais Ifioma ta préférée. Meuf, t'as pas besoin d'être jalouse, compris? Va t'occuper des autres filles, elle va s'occuper de moi. Allez, viens, suis-moi. Je reviens, désolée, d'accord? Attends, je rêve ou quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ce téléphone? J'ai essayé de l'éteindre et de le rallumer, il ne fonctionne toujours pas. Serait-ce peut-être? Qu'est-ce que ça peut être? Oh là là! Alors, à cause de 500 000 Naira, maintenant, Ifioma m'ignore. Quelqu'un que j'ai fabriqué. Je veux dire, après tout ce que j'ai fait pour elle. Sexy Dove. Où est Ifioma? Tu n'es pas avec elle? En fait, je peux te comprendre. Toi, parce que on n'est pas très proches. Mais, Macapella, je veux dire, c'est ma copine. C'est mon amie. On ne fait pas ça à une amie. Mais bon, elle va revenir. Elle le fera. Elle aura besoin de moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ouais, Ifioma, je veux qu'elle fasse quelque chose pour moi maintenant. Ah, elle est dehors avec Macapella. Elles sont en train de... Ah, mais ma puce, ah, je veux dire, s'il y a quelque chose que tu voudrais qu'elle fasse pour toi, je suis là, je peux le faire pour toi. Je le ferai parfait, à merveille. T'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces filles? Elles se ridiculisent. Comme ça, c'est pour 500 000. Quelle vénère, Ifioma. Je veux dire, qui est Ifioma? Qui est-elle? Cette villageoise? Oh, s'il te plaît. Tu vois? Ouais. C'est ici que tu dois cliquer. Si tu cliques là maintenant, tu pourras voir tous tes abonnés. Et je clique? Ouais. Regarde. Les gens vont se connecter au live. Tu vois? Une personne s'est connectée. Ouais. Dis bonjour.
Elle, c'est mon amie Macapella. Non, sexy Macapella. Votre chouchou est Foma. Suivez ma puce de cœur pour elle, de cœur pour elle. D'accord, est-ce que vous aimez? Ce que tu fais là a un sens. Qu'est-ce hein? qu'elle a fait? Ça a un sens? Non, 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 raisonne. Une personne que tout le monde attend, toi tu la retiens, la kidnappes pour rester là, est-ce normal? Je ne sais pas de quoi tu parles, elle vient juste d'arriver ici. Mm-hmm. Je lui ai dit, ma puce, allez, apprends-moi ce truc. Et je lui ai également dit que dès que tu finis, dès que c'est bon, tu peux aller apprendre aux autres filles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle est juste là, elle est juste venue. Tu savais qu'elle était déjà là, tu devais la laisser entrer. On nous informe qu'elle est là. Tu viens la garder pour toi toute seule et... On ne fait pas ça, ça n'a pas de sens, pas du tout. Qu'est-ce qui cloche toi? Ah, bon, dis-moi. Non. C'est n'est la pas normal. Même chose que tu as dit, ta pitesse, n'est-ce pas? C'est la même chose que tu lui as dit. Écoute, si tu veux apprendre, tu te calmes et tu apprends. Si tu ne veux pas apprendre, tu n'as qu'à retourner à l'intérieur. Je ne sais même pas ce que tu fous là. Je n'ai pas ta force. Ifioma, je suis devenue une invitée spéciale ici. Tu sais ce pourquoi je veux que tu m'aides. Vas-y. Regarde. Non, meuf, ne lui montre pas. Si tu veux lui apprendre, tu le fais pour tout le monde au même moment. Alors, C'est ça. Il n'y a pas de tout le monde ou nous dans cette situation. De grâce, Ifioma, si tu veux me montrer quelque chose, c'est à moi toute seule. Pas à nous. Il n'y a pas de nous là. Ok, Rabion, ne te fâche pas. Tu n'as pas besoin de me tirer, c'est pas une leçon que je fais. Je suis devenue spéciale. T'es l'invité spéciale. Calme-toi, attends. Ce qu'on va non, faire, c'est ma que. Non, tu commences d'abord par moi. Ce qu'on va faire, c'est que réunissons-nous tous ensemble pour une grande famille. Je vais t'apprendre le truc. Il n'y a ni famille, ni nous dans cette situation. Oh. C'est moi et moi toute seule. J'ai viens pas peur de te reprendre. Je vais te faire ma s'il vous plaît, je viens. Viens, viens. Je suis comme toi. Je dis que tu restes là. Tu ne bouges pas. Ok, les gars. Oui. Oh! Oh! Ok. Madame, bon après-midi, madame. Madame, pas fâchée, oh. Je suis venue vous parler de quelque chose. Ok. Vas-y, parle. Merci, madame. Madame, écoutez, mais à Otonama, je n'aime pas ce chavail. Je le fais juste parce que je n'ai pas de choix. Et les insultes que... Alors? Et les insultes que Madame Démon me balance. Mmh. Parfois, j'ai juste envie de me suicider. Et Toro, je... Bosse en ligne. J'ai pas de temps à perdre, ok? Va droit au but. Que veux-tu que je fasse? Madame. Je veux arrêter ce chavail. Je ne veux plus chavailler. Écoutez. J'ai fréquenté beaucoup même. C'est juste que il n'y avait plus d'argent pour que j'aille à l'université pour avoir un bon boulot. C'est pour ça que je suis ici. Quoi? Vous ne me croyez pas? Vous n'entendez pas le français que je parle? Le français pur que je parle? J'ai fréquenté. Tu parles l'anglais soutenu. Et Toro, s'il te plaît, ne me perds pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Nous en parlerons plus tard, ok? Madame Bo, pas fâchée. Juste, s'il vous plaît, inscrivez-moi. Je ne vais plus vous déranger. Juste, inscrivez-moi, s'il vous plaît. Hein? Et Toro? Madame. Et Toro? Hein? Moi. Il faut m'inscrire. J'aurais absolument tout vu. Et toi, maintenant tu veux rejoindre la liste de ceux qui iront en enfer? Tiens, tu as dit que nous irons tous en enfer, n'est-ce pas? On sait qu'on ira toutes. Maintenant tu veux nous rejoindre? Ah, c'est incroyable. Madame Foma, vous-même, vous connaissez les gens qui chavaillent avec vous. Moi aussi. Je suis venue pour chavailler avec vous. Ne chavaille pas moi, avec moi. Moi, la messagère de Dieu.
Ne chavaille pas avec moi. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste chavailler avec vous. Vous vous moquez de moi. La femme instruite. Ah, le génie personnifié. Ah, c'est le chavail. Hey, les Kaboski. Oh. C'est pas grave, moquez-vous. Que je t'inscrive. Oh oh. Ah, Kego, moi Kego. Que Dieu vous bénisse. This is fake life. You're faking life. S'il vous plaît, je viens du Cannes. Je viens vous ouvrir le portail. Ah, c'est nouveau, ça. Oh, attends, Chibi. Hein? Depuis quand tu nous ouvres le portail? Ah, allez, ne dites pas ça. C'est bien moi qui vous ouvre toujours le portail. Hein? C'est moi qui ouvre le portail à chaque fois que vous entrez dans cette concession. Hein, c'est moi. Hein? Toi? Oui. Non, attends. Tu ne nous as pas ouvert le portail quand on partait. En fait, tu nous as ouvert le portail à notre arrivée parce que ce portail reste fermé. Qu'est-ce qui a changé? Madame Dove, ne dites pas ça, voyons. Ne dites pas ça. Vous savez que Madame Ifoma est ma bestie. Hein? C'est elle qui m'a dit que je ne dois pas... Que je ne dois pas vous ouvrir le portail. Hein? Qu'elle va ouvrir le portail elle-même. Moi? Quand? Ah, ah. T'entends ça? Et quand est-ce que je l'ai dit? Madame Ifoma, vous savez que vous êtes ma personne. Ma personne, très bonne personne. Je vous apprécie beaucoup. Vous comprenez? Vous êtes la seule vraie personne qu'il y a ici. Croyez-moi. Oji, s'il te plaît. Ce n'est pas Oji, c'est Jibi. Que signifie Burukutu? Peu importe. Jibi, OP, Portis, peu importe comment tu t'appelles. Peux-tu ouvrir le portail? Je veux sortir. Oui. Ouvre le portail, non, je veux partir. Oh, ouvre-le, je veux partir. J'ai vraiment très faim. Hein? Désolée, Madame Ifoma. Vous savez que vous êtes ma personne. J'ai quelque chose de très important à vous dire. S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, permettez. Qu'on aille dans ce coin. Écoutez, je veux qu'on aille dans ce coin pour pouvoir discuter. Je vous en prie. Si tu veux dire quelque chose à Ifioma, dis-le, ici. Sinon, ouvre ce portail. Jibi, écoute, s'il te plaît. J'ai pas le temps pour tout ça. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Je suis affamée, s'il te plaît. Allez, donne-moi les clés. Madame Ifoma. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, je veux que vous mettez cette application dans ce téléphone. S'il vous plaît, je vous en supplie. Qu'est-ce qui vous amuse? Tu me perds le temps. Non, mais qu'est-ce qui amuse? Je t'ai expliqué que j'avais faim, pourquoi? Vous voyez ce téléphone? Il fait des vidéos. Ça a une caméra. Tibi, s'il te plaît. Il a même une radio. Arrête ça tout de suite. Tibi. Hein? Tu veux qu'elle te mette CNN dans ton téléphone? Non, l'appli, je veux s'il te plaît, prends cette poubelle. Donne-moi les clés, je veux partir. Oh, ce portail! Tu imaginais quelle bêtise? Ouvre ce portail, j'ai faim. Ouvre le portail! Salut mes mignons followers. Pour commencer, je me présente. Moi c'est Etorobon. What's up? Salut. Donnez-moi un petit quelque chose qui va m'aider. Qui va m'aider à m'en sortir. Mes chouchous, j'ai vraiment besoin de votre aide. Aidez-moi. Si vous ne m'aidez pas, je vais mourir. Je suis fatiguée. Si vous ne me nourrissez pas, ne regardez pas ce que je porte. Je suis une très très belle fille. Regardez-moi. Vous voyez mes seins? Mon derrière, c'est 500 millions. Vous savez, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Et puis, les gens ici sont méchants. Elles ne font rien pour moi. Elles se moquent de moi et m'insultent jour et nuit. Elles se moquent et m'insultent. Ce que vous voyez, ce n'est pas la vraie moi. Si j'avais le choix, je ne serais pas ici.
à me faire insulter. Je serais déjà partie. C'est pour ça que je viens m'humilier ici. Mbog, Liko, Nimin, Bikona, Bikona, aidez-moi. Si, même si quelqu'un me donne 500 000, c'est suffisant. 500 000 naira, c'est suffisant. À l'instant où vous me voyez, toutes mes économies sont finies. Oui, je vous en prie. Mbog, juste 500 000. 500 000. Et même si c'est 300 000, regardez comme je danse. Regardez, regardez, regardez-moi. Oh, c'est quoi ce téléphone? C'est quel genre de machin, c'est ça? Hein? Hey, moi-même, je ne fais qu'appeler depuis et je ne vois personne. Personne ne veut me donner de l'argent. Hein? C'est quelle malchance, ça? Elles sont vraiment méchantes. C'est toi. Très bien. Ibi, Ndire, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte? Rends-toi compte que j'ai supplié Madame Ifoma et qu'elle m'aide à mettre l'appli dans mon téléphone. Hein? C'est elle, cette madame, madame, je sais tout. Cette idiote de sexy dove. Ils se sont moqués de moi. Qu'est-ce que ça te trompe? Non, ne touche pas. Qu'est-ce que t'amuses? L'application. La mettre dans son Nokia Touch. Hein? Qu'est-ce que là, mon Nokia Touch? C'est ça qui te fait rire? Non, qu'est-ce que t'amuses? Chai, Ibi, tu es bête. Il n'y a rien de bon dans ta grosse tête. Tu portes juste ta grosse tête pour marcher comme ça. Il n'y a rien de bon dedans. Qui t'a dit que le Nokia Touch à la connexion Internet. N'en parlons même pas d'une caméra. Femme idiote! Tu penses que c'est Nokia Touch, c'est toutes ces conneries de téléphone que vous avez? Ça, ce n'est pas un Nokia Touch ordinaire. Celui-ci a tout ce qu'un téléphone doit avoir. Ça fait des vidéos. Et ça même la radio. Parlons, tais-toi là-bas. Tu me dis de me taire, quel téléphone? Tu ne connais rien. Tu parles de quel téléphone? Tu dis des bêtises. Écoute. Laisse-moi te dire, si tu veux nous rejoindre, le club des grandes filles, achète un téléphone Android. Sorcière! Ce n'est pas droïde, c'est And. Android. 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 Dégage, toi, tu es folle. Toi, tu es malade. D'un Android. Un téléphone Android, c'est pour ça que tu m'insultes. Hein? Comment ça, je t'ai insulté? J'ai marché jusqu'ici pour venir te dire la vérité. Je ne t'ai pas insulté. C'est bon. Sors d'ici maintenant. Sors de mon bureau. Mais sors d'ici, toi, sors. Retourne. Ne me parle pas comme ça. Trouve-toi un téléphone Android. Ce n'est pas Android. Pas Android, c'est la main. La main, Android, téléphone Android. Android. Ce n'est pas Android. Retiens, idiot. Tu peux parler français où je suis. Téléphone Android. Dégage. Dégage. J'ai fréquenté. Hippote. Dégage ici, attends, idiot. Hé, nous. Petit motien, Android. Espèce de chèvre. Tu as mal, tu achètes un téléphone. Arrête ça. Ah, Nakamu. Ce n'est pas Android. Android. Chèvre. Android. Chèvre, sorcier, idiot. Hippote. Ce n'est pas ce n'est même pas ce n'est pas Android. Ce n'est pas un Android. Sorcière. Téléphone Android. Idiote. Et toi, Android. Avec ta tête penchée, sorcière. C'est Android. Hand. Ce n'est pas Android. Idiote, sorcière. Tu corriges quelqu'un. Tu corriges quelqu'un. Et c'est cette personne que tu te fais la même erreur. Idiote. Sorcière. She wanna marry Don Jersey, try to be Anna, musician, American. Life of girls, living in a place of
Qu'est-ce qui brûle? Où est? Mais où est Itoro? Seigneur Jésus, Itoro! Oh mon Dieu, cette fille est assez négligente. Ce qu'ils font n'est pas juste, oh. Ce n'est pas juste. Ils ont donné à Madame Ifoma 500 000. À mon tour, je les supplie pour un peu d'argent. Personne ne me donne rien. Ce n'est pas juste, oh. Dieu va tous vous punir. Il va tous vous punir. Vous êtes très méchants. Itoro, qu'est-ce que tu fais là? Le repas brûle à la cuisine. Madame Zurut. Non, Madame Zurut. C'est quoi votre problème? Oh, oh, oh. Donc c'était vous. J'étais là, je pensais que mon problème c'était les gens de mon village. Alors que c'était vous mon problème. Hein? Juste parce que je suis venue faire banton, c'est fini. Je ne suis plus là. Qu'est-ce qu'il y a? Le repas brûlé, puis je cherche des likes pour avoir de l'argent. Vous venez me parler de nourriture. C'est fini, je ne suis plus là. Ils se garantent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est à moi que tu t'adresses ainsi. Que se passe-t-il ici? Je ne sais pas. Comme tu peux le voir, le repas brûle à la cuisine. Je suis venue lui demander ce qu'elle faisait de beau ici pendant que le repas brûle et elle s'est mise à me crier dessus. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Quoi? Non, non, attends. Tu dis qu'elle a juste commencé à te crier dessus? Oui. Itoro. Ha! T'es malade? Tu es folle? Hein? Ça va bien dans ta tête? Ah, madame, enlevez votre main devant moi. Ne me parlez pas comme ça. Hein? Je ne dois pas te parler comme ça. Tu ne réponds pas. Sais-tu que c'est la bagarre qui m'a causé ceci? Tu es folle? Non, 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 s'il te plaît. Quelque chose te dérange. Ah! Merci. Oui. Oh, merci. Merci pour les likes. Merci beaucoup. Ah, merci pour les likes. J'apprécie. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me barres-tu la voix? Hein? Quoi? Est-ce la seule route que tu as vue? Tu marchais sans regarder. Oh! Et toi qui regardais? Qu'as-tu fait? Écoute, je n'ai pas le temps de me disputer cet après-midi. Et en plus, je n'arrive pas à utiliser cette appli. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je vois, c'est Katuna partout. Je suis larguée. Ah, je rencontre le même problème. Ah, n'es-tu pas sûre que cette fille d'Ifioma joue juste avec nous parce que ce qu'elle nous a montré, ce n'est pas ce que je vois ici. Regarde, je ne comprends rien de tout ce qu'elle nous a montré comme... C'est frustrant. Eh bien, quand est-ce qu'elle revient? Je veux dire, quand est-ce qu'elle reviendra? Je veux qu'elle m'explique un truc. Ma Capella a dit que Sexy Dove lui a dit qu'elle arrivait. Je n'ai vu aucune des deux. Peu importe, il faut juste qu'elle vienne. J'en ai marre. Sais-tu que je n'ai pas bouffé depuis le matin? Moi non plus. Je n'ai pas mangé, hein? Es-tu sûre que cet Itoro a fait quelque chose à manger? Allons nous changer. On ira manger en bout dehors. Tu sais comme elle est. Ah, ma puce. Hmm? Regarde. Hmm. Quoi? Je suis fatiguée. T'en fais pas. Quand elle viendra, elle va tout nous expliquer. Parce que ça commence à bien faire. Tu sais que je n'aime pas du tout être stressée. Aïe. Itoro, la nerveuse. Qu'est-ce que j'entends? Comme ça t'as poussé des ailes. Je viens juste d'entendre que tu as insulté Pitis. Tu lui as parlé de manière très, très méprisante. Tu es très chanceuse. C'est qu'en ce moment, ton pied devait être comme ça. Tu allais marcher comme ça. Maintenant, tiens tes oreilles. J'ai dit, tiens tes oreilles. Madame, elles m'ont déjà battu là-dehors. Je parle, tu parles. Tu as dû perdre en boulot, ça ne va pas dans ta tête.
Je vais t'en fouler une. T'es folle. Ça ne va pas. Ok. Coucou les mecs. Alors ça va? Ça vous plaît ce que vous voyez? Désormais, les mecs, vous pouvez m'envoyer votre numéro en privé avec votre numéro sur WhatsApp ou alors vous pouvez discuter avec moi ici. Tout ce que j'attends de vous, les gars, c'est que vous continuez de m'envoyer des cadeaux. Écoutez, les mecs, je suis trop sexy pour être ignorée. Je suis là pour... Si vous voulez discuter sur WhatsApp directement, vous savez quoi faire. Le numéro. Et si vous voulez échanger ici, ça me va. Vous savez que je suis trop sexy pour être ignorée. Les gars, des cadeaux. Des cadeaux. Envoyez des cadeaux, commentez et likez, ok? Je suis là pour vous. De plus en plus, vous m'offrirez des cadeaux. De plus, je vous donnerai ceci, d'accord? J'attends vos cadeaux. Comme je l'ai dit, si vous voulez discuter sur WhatsApp, envoyez votre numéro, je suis là pour vous. Ah, hein? Je vais chanter pour vous. Ah, ah, oh. Salut, mes chéris. Ça vous plaît? Salut! Merci! Oh! Ouais! Votre meuf se relaxe! Elle prend de l'air! Ok! La fille, voyons voir! Vous êtes... Ouais! Oh, t'aimes mes fringues? Merci. Merci. Bonjour, madame. Ouais, bonjour. Est-ce qu'il y a un problème? Non, aucun problème. Je suis juste venu vous dire bonjour. Je venais juste vous saluer. Je voulais vous dire, écoutez, madame, que vous êtes la plus gentille. La personne la plus gentille que nous avons dans cette maison. Je vous le dis. Merci. La seule personne à avoir un grand cœur. Je vous jure. Écoutez, vous êtes gentille, vous n'êtes pas méchante, comme les autres filles de cette maison. Rappelez-vous, l'autre jour, je vous ai dit que j'avais faim. Vous m'avez donné de l'argent pour que j'aille manger. Que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Vous voyez? Vous venez juste de dire amen, merci. Tchaï! Vous allez me tuer. Vous êtes vraiment une très bonne personne. Écoutez, votre mère vous a bien éduqué. Hey! Tu sais quoi, tu vas devoir partir tout de suite parce que je suis occupée, on parlera plus tard. Salut mes chouchous, ouais, ok. Alors... Madame, vous voyez ces likes que vous cherchez, hein? Vous voyez ces likes? Ça va vous donner beaucoup d'argent. Ah. Ça va vous donner beaucoup d'argent plus que toutes les autres personnes qui font la même chose. Et même plus qu'Aïfoma elle-même. Parce que vous êtes très gentil. Vous allez tout dépasser parce que vous avez un très grand cœur, un cœur de partage. Vous partagez beaucoup. Quand vous donnez, oh... Tu sais quoi, tu vas devoir partir là parce que je dois me concentrer. C'est la seule façon pour moi de gagner du fric. Ok. C'est compris. Eh, madame, écoutez, je vous observe depuis que vous faites ce truc. J'ai même demandé à madame Ifoma de m'aider à installer cette application dans mon téléphone. Elle m'a dit que, de grâce, dégage. Fallait voir comment elle me parlait. Va-t'en. Elle dit que mon téléphone ne peut pas prendre cette application, que je n'ai pas un bon téléphone, que mon téléphone ne peut pas le faire. Vous imaginez? Je suis désolée. Madame, j'ai besoin de quelqu'un qui pourra me donner un peu d'argent pour que j'achète un grand téléphone. Vous voyez? Pour que je crée aussi mon compte. Je vais aussi me faire cet argent. Ouais, ça c'est tout. Oui, comme je disais. Oh, quelqu'un qui a. Comme quelqu'un qui a. Quelqu'un qui a deux téléphones. Deux téléphones qui peut juste me donner juste un. Pour que je. Vous savez? Pour que je me connecte. De cette façon, je vais aussi gagner de l'argent. Vous comprenez? Tu sais quoi? Si tu ne pars pas d'ici tout de suite, tu vas me distraire. Ouais. S'il te plaît, pas merci. Madame, pas fâché. Vous pouvez me donner votre deuxième téléphone. Attendez, oui, celui-là, je l'aime bien. Oui, celui-ci, pour que je l'utilise. Oui, ainsi, quand je vais gagner beaucoup d'argent, je vais m'acheter un grand téléphone. Un qui sera gros, qui va me filmer en entier. T'es sérieux là, maintenant? Genre,
Tu veux utiliser mon oui. S21 Plus. Oui, je veux l'utiliser en attendant. Tu veux l'utiliser. Oui, exactement. quand j'aurai de l'argent, je m'achèterai un plus grand que celui-ci. D'accord, les gars. Devinez quoi, j'ai un clown là devant moi. Et il dit qu'il veut utiliser mon S21 oui, Plus pour avoir c'est des celui-ci. Likes. C'est Madame, s'il vous plaît. N'est-ce pas ridicule? Je peux prendre ce ouais, jus. Oui, prends-le et va-t'en. Merci, c'est gentil. Minutes, ouais, merci que Dieu vous bénisse. Laisse mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, dégage. Allez, les gars, regardez, c'est lui vous le savez. Clown. Vous voyez? Le clown. C'est lui le clown. Allez, dégage, tu me déconcentres. Mm-hmm. Votre chouchou s'est levé. Vous allez voir ce que je porte. Ok. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est un look très sexy, les gars. Ah, laissez-moi placer ça là pour que je puisse twinkler pour vous, les mecs. Juste une seconde. Mm-hmm. Je ne crois pas. Vous aimez? Merci, merci. Ah, qu'est-ce que je m'éclate. Je fais des jaloux, n'est-ce pas? Ah, ah. Ouais, ça me dingue là, les meufs. Ouais. Oui. Salut. Ah. 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 J'ai été bloquée. Quoi? Mais pourquoi on s'est bloqué, non? Contenu indécent? Qu'est-ce qu'il y a d'indécent dans ce que j'ai fait? J'ai juste montré une partie de mes seins. Madame, Mbo, pardonnez-moi. Je ne le fais pas de moi-même. C'est ce qui est dans mon ventre qui me pousse à faire ces choses. Mbo, pardonnez-moi. S'il te plaît, allez, ferme-la. Cette fille est une comédienne. Écoute, n'essaie pas d'accuser le diablo. Oui, et ne parle même pas de colère. Car la colère dévoile le vrai visage de quelqu'un. En effet. Elle va te tuer un jour. Fais gaffe. Dis pas ça, Sexy Dove. Arrête de dire ça. Hein? N'aggrave pas la situation. Madame Mbo, je suis vraiment, vraiment désolée. Je jure au nom de Dieu, ça ne va plus jamais arriver. Si vous me renvoyez maintenant, qui prendra soin de ma mère malade? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Itoro. Madame. Je n'ai jamais dit que j'allais te virer. Ok. Je veux juste savoir pourquoi tu as eu ce comportement aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui fais ça, oh. Ce n'est pas moi. C'est ce qui est dans mon corps qui me fait faire ça. Madame. Mbo, pardonnez-moi. J'ai autre chose à dire. Ne vous fâchez pas, oh. Aidez-moi à supplier Madame Ifoma qu'elle m'aide à utiliser l'application. Elle a dit qu'elle ne va rien m'apprendre tant que je ne viens pas m'excuser. Vous savez que j'ai besoin d'argent pour m'occuper de ma mère malade. Mbok, aidez-moi à la supplier. Je te l'ai dit. Je t'ai bien dit qu'elle n'est pas du tout digne de confiance. Elle ne l'est pas. Et crois-moi, si tu lui pardonnes, elle va le refaire. Et pire que ça, oui. C'est bon, Sexy Dove. C'est bon. Itoro. Madame. En fait, tu ne t'excuses pas parce que tu veux t'excuser. Tu es venue vers moi parce que on t'a conseillé de le faire, n'est-ce pas? Madame, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. N'écoutez pas ce qu'il dit. D'ailleurs, je suis très humble. Regardez. Ok. Ça, c'est la totale. Je Madame. Pense qu'on a une urgence, n'est-ce pas? S'il te plaît, allons-y. Hey, bitches. Oui, Madame, ciao. D'accord. Madame, ne les écoutez pas. Écoutez, Madame, vous savez pourquoi j'ai besoin de cet argent, n'est-ce pas? Vous êtes... Je suis toi. Votre... Non, mais sérieux. Je ne reviens pas. Excuse-moi. Ifoma. Ça va? Tu viens de m'appeler? Ouais, oui, je l'ai fait. Puis-je te parler? Ok. Tu n'iras nulle part. Si tu as quelque chose à lui dire,
Fais-le ici. C'est bon, ma puce. Ne t'en fais pas. T'inquiète pas, je ne serai pas longue. J'ai dit non. Tu ne bouges pas. Non, mais qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu pardonnes facilement. Cette chose que voici n'est pas ton ami. Ok? Je sais. C'est un ami. Sexy Dove. J'aime bien ton nom, mais il ne te va pas. Écoute, je sais que tu ne m'apprécies pas. D'accord? Ça me va. Et c'est pareil pour moi. Il faut que ce soit clair. D'accord? Mais je veux parler à Ifoma, pas à toi. L'as-tu entendu? Tu l'as entendu? Et toi, Lemon, peu importe comment tu t'appelles, je connais mon amie. Tu sais, elle est indulgente et calme. Ce n'est pas du tout mon cas. Alors, tu dois faire vraiment gaffe. Non, non, tu dois faire très, très attention. Parce que je pourrais te faire disparaître de ton sommeil. Ok? Ok. Wow. J'ai littéralement eu peur. Tu devrais. Très bien, tu vois, le truc, c'est que je suis pas une lèche-botte. Oui, je suis pas une lèche-botte, je ne lutte pas avec des animaux, tu vois. Oui, je ne lutte pas avec eux, je suis si classe, si raffinée. On va être une lèche-botte, donc. Ifi, peut-on parler? Oh, vraiment? Oh, c'est bon, ça va, pas toi. Sexy, calme-toi, hein? Calme-toi, te rabaisse pas, je ne veux pas entendre que c'est toi qui l'a provoqué. Tu veux me parler, oui, c'est oui. Ça? Oui, je veux te voir, ma chérie. Ok. Oui, Ifoma, j'ai besoin que tu... Peux-tu m'expliquer d'où c'est Ifoma? Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, mais tu vois ta copine. Elle est impossible. Il fallait que je lui donne sa chouchou. Bien dosée. Tu comprends? Lemon, est-ce que je peux te donner un petit conseil? Vas-y, s'il te plaît. Tu vois mon ami Sexy Dove? Évite-la comme la peste. Cette fille n'est pas une fille ordinaire. Cette fille, elle peut te défigurer. Elle peut même te faire disparaître dans la nuit. Ma sœur, c'est elle qui devrait avoir peur de moi. Je ne peux pas avoir peur d'elle. Moi, c'est impossible. Pouvons-nous aller droit au but? Pourquoi tu m'as appelée? Je suis vraiment désolée, ma chérie. J'ai une amie très proche de moi. Hein. Elle utilise cette appli. Que vous utilisez pour soupiller de l'argent et tout ça. Oui, elle le fait. Et elle m'a demandé de l'aider à obtenir quelque chose de toi. Je vais dire, c'est ton ami. Alors, dis-moi. Obtenir quelque chose comme quoi? Elle a remarqué hier, parce qu'elle a téléchargé l'appli hier, qu'ils lui ont interdit l'accès à l'appli. Alors, elle aimerait savoir exactement pourquoi exactement ils l'ont retiré. Ils l'ont retiré de l'appli? Oui. Ont-ils écrit un truc comme « contenu indécent » ? Exactement, c'est ce qu'elle a dit. Contenu indécent. Un truc comme « retirer du groupe ». Quelque chose comme ça. Retirer du groupe. Retirer. Oh hey. Qu'y a-t-il ? Elle a dû exposer quelques parties de son corps. Les contenus indécents ne sont pas autorisés sur cette appli. Hein ? Oui. Prochainement, quand tu voudras entrer dans l'appli, couvre-toi. C'est pour ça qu'ils t'ont retiré. Me retirer? Oui. Non. Oh non. Comment puis-je utiliser cette appli? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être sur cette appli. Non. Mais regarde-moi. Je ne peux pas aller mendier pour de l'argent. Oh, allez. Je ne peux pas faire ça. J'irai le dire à mon amie, donc. Elle saura quoi faire. Mais dis-moi, l'ont-ils retiré de l'appli? Bien sûr, elle pourra le faire à nouveau. Genre, okay. Tu devras attendre un peu. Ce n'est pas moi. Je n'utilise pas cette appli. Ça va s'arranger très bientôt, alors. Bah, voilà. Dis-lui de patienter, ok? Ok, ça marche. Hein? Merci beaucoup, hein? Lemon, je sais que c'est toi qui utilises cette appli. Oui, tu peux tromper tout le monde, mais pas moi. T'as été bloquée parce que t'es désespérée. Arrête de mener une vie de paraître. Sois toi-même. Je n'utilise pas l'appli. Hein? Comment pourrais-je l'utiliser? C'est de la mendicité. Vous êtes des mendiants. C'est exactement ce que vous êtes. Elle n'utilise pas l'appli. Elle ne le fait pas. Itoro,
Où es-tu? S'il vous plaît, madame. T'es encore là. Allez, dehors. Allez, dégage. Va-t'en d'ici. T'es vraiment stupide. T'es vraiment très fort. Tes services ne sont plus d'aucune utilité ici. S'il te plaît, dégage ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour aller où? Pour aller où? Vous avez demandé que je m'excuse. Je me suis excusée devant tout le monde. Vous jetez mes choses dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Ok, Lemon, s'il te plaît, écoute. Je t'ai dit de laisser cette fille. C'est pitié, je vais la chasser de cette maison. Elle sera elle. Je ne veux pas d'elle ici. On ne veut pas d'elle ici. Tu ne nous sers à rien dans cette maison. Bouge, bouge, va-t'en. Madame, je vais parler. Si vous voulez que je parte de cette maison, c'est à une condition. Vous devez dire à Madame Forma qu'elle me forme aussi. Puis je m'en irai. Parce que je ne peux pas rentrer au village les mains vides. Je ne peux pas. Tu entends ça? Tu entends cette fille? Si tu ne pars pas d'ici, je vais appeler la police pour toi. Hein? Madame, n'appelez pas seulement la police. Appelez l'armée, l'Air Force. Appelez la Navy. Appelez les Boy Scouts. Qu'ils viennent m'arrêter. Je préfère encore dormir dans leur cellule plutôt que de rentrer au village. Après, vous allez dire que vous n'êtes pas méchante. Vous êtes une très, très méchante femme, vous. Tu sais quoi, meuf? Je t'ai dit de laisser cette meuf. C'est un clone, faut-lui la je paix. Je ne vais pas lui foutre attends la paix. Attends que Pitié soit de retour. Pas question, elle ne reste plus ici. Tu pars d'ici maintenant. Madame, je ne vais pas partir. Ok, très bien. Madame, je ne pars pas. De là. Madame, je ne pars pas. Madame, laissez mon sac, laissez mon sac. Je ne pars pas. Sors d'ici. Pars d'ici. JB! JB! Madame, je ne laisse pars pas. Laisse-la, tranquille. Je ne pars pas. Laissez-moi, madame, je ne pars okay, pas. Ok, tu ne veux pas, tu ne veux pas partir. Madame, pas de problème. Laissez-moi mon sac, madame, je ne pars pas, je ne pars pas. JB. Laissez-moi mon sac, madame, je ne pars pas. JB. JB. Sors de là. Ok, tu ne veux pas partir. Tu vas partir par force. Tu vas partir par force. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? JB, je veux que tu jettes ces choses hors de cette maison. Elle est virée. Que je jette ces choses? Non, jette mes choses. Jette ces choses hors de cette maison. Non. Écoutez. Hein. Dites-moi, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle tu a fait? Tu me demandes ce qu'elle a fait? Non, tu me poses cette question. Non, c'est parce que je veux savoir. Quand vous voyez une jolie fille, très belle, le teint qui brille, vous la traumatisez. Ce n'est pas bien. Pourquoi jette ces choses? Ok, comme elle ne veut pas passer, ok, tu ne veux pas ouvrir le portail. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Et vous voyez cette fille, elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère. Hein? Et dans son village, elle ne peut plus y retourner pour y vivre. S'il vous plaît, ayez pitié d'elle. Ce que vous faites là n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je n'ai rien fait. C'est parce que je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. C'est pour ça que vous me faites ça. C'est parce Dieu va tous vous juger. Mon Dieu va tous vous juger. Il va tous vous juger ici. Écoutez, ça tient bien. Malgré ces petits, vous savez, les travailleuses. Donne-moi les clés. Comme elle ne veut pas partir, vous les deux, sortez d'ici. Ok, attends. Fais. Oui, tu pars d'ici. Bien. Laisse-moi partir. Écoute, attends-moi, je m'en vais faire mes bagages. Mais c'est quoi cette histoire? Mais vous laissez tout le monde pour vous supplier. Allez-les. Non, ne la touchez même pas. Sors, Ito. Laissez-moi. Laissez-la, Emma. Je vais vous juger. Je vais faire mes bagages. Je vais vous juger. Je vais prier pour qu'elle vous juge. Ah, continue de parler. S'il te plaît, attends-moi, j'arrive. Viens la rejoindre. On va partir ensemble. Viens rejoindre ta femme. On part ensemble tous les jours. T'as qui t'as d'abord. Ça veut dire quoi ça? Viens tout de suite juger. Croyez-moi. Vous pensez qu'on reprend votre travail? T'as qui d'abord. T'as qui d'abord. C'est de trop. Tu pars ici aujourd'hui. Je n'ai rien fait. Toi, dégage de là. Nae. Mon bébé, ça va? On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Où est ta maison? Ta maison, non? Tu me dis... Où est ta maison? JB. Tu es devenu sourde ou quoi? Quelle maison? Ah. Non, dis-moi, quelle maison? Au lieu de m'amener chez toi, tu es là à me demander ma maison. Ito, je ne comprends pas. Où allons-nous? Écoutez, on va juste chercher une église. Une église? On entre, on dort. Et puis, demain matin, on va marcher pour trouver un petit job à faire. Parce que je ne peux pas rentrer au village. Mon village, à Nyonson, il est très très loin. Quoi? Et mon village n'est pas un endroit où quelqu'un peut rester. Je ne sais même pas comment je faisais pour vivre là-bas. Tu es sérieuse?
Hey! C'est très loin. Hey! 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 Qu'est-ce qu'il y a? C'est grave, c'est grave. C'est grave. Et parce que là, je te préviens, je n'ai pas de maison. Quoi? Je te jure, je n'ai pas du tout un endroit où dormir. Je retourne direct au village. Et là-bas, au village, j'ai 4 autres frères qui vivent tous dans la même chambre. Oui, au village. C'est ça qui me fait crier. Sai! Tu vois ce que tu m'as fait? Sai, vous n'aimez pas. Je n'ai vraiment pas de chanceau. Je pensais que tu avais une maison. Pensons aussi que j'avais une maison, c'est ça qui m'a fait, c'est ça qui m'a fait partir. Et parce que je savais que si tu pars, on va vivre ensemble. Pourquoi as-tu démissionné? Pourquoi as-tu démissionné? Je pensais que tu avais une maison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hey, je sais ce qu'on va faire. Il faut qu'on retourne là-dedans, tu comprends? On se met à genoux. On se couche, oui, c'est mieux qu'on se couche, ouais. On les supplie comme jamais. Oui, on les supplie, tu comprends? Pour qu'elle nous oublie, qu'elle nous pardonne. Si ça nous pardonne, je vais rester. Parce que je ne peux plus retourner dans ce village, c'est impossible. Il faut que j'aille dormir dans la même chambre avec mes frères. Parfois, quand tu dors, quelqu'un te gifle avec son pied. Et si tu sais, je ne vivais pas ça. Moi, je peux, de grâce. Ibi, ce que tu vas faire, entre, va les supplier. Si je pleure, je sais bien pleurer, très très bien. Ah, je vais pleurer et les supplier. Parce que je ne peux pas rentrer dans mon village. Mmh. Je vais rester ici et gagner de l'argent. Si je ne gagne pas de l'argent, je vais épouser un homme riche avant de rentrer dans mon village. Hein? Mbouni ou on dit ça? Hey yo les gars! Ok, je suis de retour. Est-ce que ça gaz? On va commencer avec un tube de tonnerre. Je sais que je ne me suis pas présentée à vous proprement. Je le fais tout de suite. Alors mon nom est Sexy Macapé! Alors là, c'est grave. Okay, mec, j'ai un nouveau single, il n'est pas encore sorti, mais oh, je peux le chanter pour vous, les poussins. Ok, alors on y va. Les mecs, vous êtes prêts? Ah, tu as tous ces tabours en toi. Attends. Ma puce. Mais je veux te montrer un truc dans mon téléphone. Oh, voyons, j'ai un lot de visiteurs sur ma page. Ce que t'es en train de faire là me distrait. Si tu veux partir, vas-y. Ok, les gars, on y va. J'ai dit que je veux te montrer un truc dans mon téléphone. J'ai dit, va-t'en. Je suis en live, putain. C'est quoi ton problème? Va-t'en, on parlera plus tard. Oh, les gars, je suis désolée, elle m'a distrait. Ok, où est-ce que nous en étions? D'accord. Je vais juste recommencer par le début. Ne chante pas, ne chante pas. Oh, les mecs, vous adorez ce son? Ok, laissez-moi reprendre. Il n'aime pas. Yeah, tout cet amour en moi. J'y vais. Très bien, mais tu ne sais pas chanter. Tu sais que j'aime ça. Laisse-moi te choquer. Oh, mon gars, mes oreilles. Bon, je sais aussi avec ma voix. Ouais, je sais, j'ai une voix douce. T'as aimé? Il a aimé? Merci. Ouais, mon boss, ouais, je sais, ouais, que t'es encore à Boston, ouais. Aimé quoi? Oh, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui leur plaît. C'est rien. Tiriririn. Oh, 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 oh. Tiriririn. Oh. Oh, 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 oh. Doudou, tu fous les mecs. Et si la famille ne me tue pas aujourd'hui, ça veut dire que je ne pourrai plus jamais mourir de faim. J'ai vraiment très, très faim. Tu as aussi faim? Je pense que en bas, j'ai aussi faim en bas. Mmh. Attends, bébé. Cherchons un bon coin. Je vais te dire quelque chose. Bouge très rapidement. La tête. Folle. Juste la tête. Quelle tête? Quelle tête? Je vois que je deviens folle. Non, on t'a gâté? Malgré la condition dans laquelle nous sommes, tu ne penses qu'à faire ces choses. Bon. Fier quoi? C'est de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ne me crie pas dessus. Il ne fallait pas bien me toucher. Tu ne sais pas que le jour où tu
tourner les reins dans le ventilateur. Tu ne sais pas que c'est monté dans ma tête. Ferme ta gueule. Chaque fois que je te vois, mon corps fait... Ferme. Ne me dis pas, tais-toi. Laisse-moi m'exprimer. Écoute, quand je te vois, mon corps fait comme ça. Et cette chose... Ne m'abuse pas de mettre un coup de tête, idiote. Et Bot, c'est toi qui m'as mis dans cette situation dans laquelle je me retrouve. C'est toi qui m'as mis dans ces problèmes. Et tu veux me mettre dans un problème plus gros que celui dans lequel je suis déjà. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ton... Tais-toi là-bas. Tu me demandes de mettre... Tais-toi. Ne me blâme pas, oh. Tu es fou. Pourquoi tu me blâmes? Quand tu me suivais, je marchais. Tu suivais les grossesses. Tu ne savais pas que tu vas avoir des problèmes. Ne me blâme pas. Tu veux que je vienne mourir dans ton bata? Dans ton gros bata? Le peu d'énergie qui me reste. Je t'ai dit que la famine peut me tuer. Et mais tu n'as rien fait. Igoubou. Écoute, pardon. Non. Tais-toi. Tu es là, tu fais semblant. Tu fais comme si ça ne te plaisait pas. Tu ne sais pas que cette chose, cette partie, c'est comme de la nourriture. Ça va te donner la force. Oui, c'est la force. Ça va te donner la force. Oui. Allez, arrière, Satan. Arrière de moi, Satan. Le feu du Saint-Esprit. Satan, sors de ce corps. Tais-toi, arrête ça. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi. Tais-toi. Laisse Dieu en dehors de ce problème. Tu veux que je mette mon bâton dans... Waouh. Tu sais que, en tout cas, si tu insistes, si je mets... Waouh. Ton corps va faire... Et ce truc qui est comme de la bouille va sortir. Et une fois que ça sort, waouh, la force que tu as en toi finit. Tu veux que je meure sur toi? Et si je meurs maintenant, que vais-je dire à Dieu? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Écoute, je vais t'avertir. Ne mêle pas Dieu à ce problème. Tu ne sais pas que la Bible dit que on ne doit pas prononcer le nom du Seigneur en vain. Laisse-moi parler. Ne m'en coupe pas. Tais-toi, mon ami. Non, ne me dis pas de me taire. Tu me demandes de mettre... Idiot. Dis-toi, toi aussi. Et Bot. Moi, Bot. Nam. Grosse chèvre, idiot. Enlève ta main de là. C'est qui cette folle furie? Hein? C'est qui cette folle furie? Tu veux casser cette porte? C'est toi la folle en furie, meuf! C'est quoi votre putain de problème? J'ai frappé à cette porte je ne sais combien de fois. Vous êtes restées toutes les deux là à m'ignorer. Et toi, tu dis que je suis folle. Vous voulez dire que vous ne m'avez pas entendue? Même un sourd pourrait m'entendre. Ma capella. Ouais? Tu veux casser cette porte? Ouais, je veux casser cette putain de porte. C'est quoi ton problème? Pourquoi veux-tu casser la porte? Est-ce la propriété de cette maison? J'ai un problème avec toi. Toi particulièrement, j'ai un problème avec toi. T'as un problème avec moi? Oh ouais! Quel problème? Ok, toi, tu vas sortir de là maintenant et me trouver à manger parce que j'ai faim. Que je viens de te donner à manger? Un boulon a dû sauter de ta tête haut. Qui doit te donner à manger? Suis-je ta cuisinière? C'est à toi que je m'adresse, ouais! Ta chasse, c'est la seule personne qui était capable de nous donner à manger dans cette maison. Alors, ce que je veux dire, c'est que maintenant que j'ai faim, tu vas te dépêcher et partir là-bas, faire à manger à tout le monde. C'est quoi ton putain de problème? Folle, t'es vraiment très très folle. Ah. Je suis d'accord avec ma capella. Hé, hey, Lemon, t'as renvoyé Itoro, la seule personne qui nous faisait à manger. Automatiquement, tu dois faire ce qu'elle est supposée faire. Ne discute pas. Contrerie-toi, je pense que tu veux que je te donne un coup. Si je te bosse, hein? Tu ne vas rien faire, pétasse! Écoute, laisse-moi te dire, tu vas aller faire ton travail parce que t'as chassé la ménagère! Sale pétasse! Retourne dans ta ville, meuf! T'insultes ma ménagère a mieux que ta toi! Ta domestique n'a qu'à le faire! J'ai vraiment pitié, s'il toi, te plaît, sors d'ici! Misérable petite menteuse! Ouais, c'est ça! Allez, sors, nous faire manger! Viens me toucher, non? J'ai dit non, viens me toucher! Viens me toucher! Je t'attends ici! Ah, viens me toucher! Je vais te toucher! Ah, tu ne me connais pas! Tu ne me connais pas. Je vais te bastonner. Mais passer. Non. Je vais te bastonner. Tiens. Je n'ai pas peur de toi. Mais passer. Tiens. Itoro. JB. Itoro, je veux pas de sucre. Je ne veux pas de sucre. Itoro. Hey. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Que faites-vous tous les deux hors du portail? Bien, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est les bols. Madame, si je vous dis ce que mes maisons ont vu aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça auparavant.
Une était ma situation. Comment cette petite lébole qui est devant derrière cette petite lébole pouvait moi un papa comme moi me mettre dehors? C'est à cause de ma situation. Que s'est-il passé et pourquoi vous a-t-elle mis dehors? Pour rien. C'est parce que je lui ai simplement dit qu'Itoro ne bouge pas. Et Itoro, non. Je lui ai dit qu'elle ne part pas. Et elle me demande qui es-tu? Qui es-tu pour dire qu'Itoro ne part pas? Donc à cause de ça, elle s'est énervée. J'ai alors dit que moi aussi je la suis. Elle a pris son sac, elle a jeté. Waouh! Elle est venue pousser tout un bâtiment. Elle m'a mis dehors. Et non, c'est à cause d'une chose. C'est à cause d'une chose. Je serai entrée. Écoute. Je ne comprends pas ce que tu dis, parce que je sais que Lemon ne vous mettrait pas dehors, sans raison. Itoro. Madame. Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi t'as-t-elle chassé? Madame Douyanko, je ne sais vraiment pas. Et autre jour, Madame Démon est venue me dire que elle n'a plus besoin de moi, qu'elle n'a plus besoin de moi. Elle m'a menacée. Hey. Et puis elle a dit que je sorte de la maison. Est-ce que tu en es sûre? Madame, au nom de Dieu, vous pouvez demander à tout le monde. Mais Madame Acaperia l'a supplié, elle n'a rien entendu. Elle est venue et a porté mon sac comme ça, hier. Et l'a jeté que je parte. Doucement. Juste comme ça. C'est la jalousie. Et c'est parce que elle a vu que Itoroban est très, 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 très belle. Ce n'est pas gentil. Je veux dire, Lemon aboie, mais elle ne mord pas. C'est pas gentil. Apportez vos sacs à l'intérieur. Ramassez vos affaires. Hein? Vraiment? Allez, allons-y. Lemon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu agir comme ça te chante? Je te tolère encore à cause de nos années d'amitié. Sinon, je ne l'aurais pas accepté venant de toi. Pourquoi agis-tu comme une dingue? C'est quoi ton problème? J'agis comme une folle? Peaches, qu'ai-je fait de mal pour que tu me dises que j'agis comme une folle? Après toutes ces années, toi, tu me traites de folle? Ah, waouh! Pourquoi vouloir virer le personnel que j'ai ramené? T'as une idée de l'endroit où je les ai pêchés? Le sais-tu? Tu les crois contrairement à moi? Ils t'ont dit que je les ai virés. Et tu les crois contrairement à moi? Après tout ce temps, Peaches, après tout ce temps, il t'a dit que j'ai viré Itoro. Et tu l'as carrément cru. Lemon, je... Non, c'est bon. Je suis... Et elle t'a dit... que je les ai jetés dehors et tu les as crus. Contrairement à moi, après tout ce temps, toutes ces années, tu m'as déçue. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû écouter ta version de l'histoire avant de te juger. Mais je ne le referai plus. Je m'excuse. S'il te plaît. Et puis quoi encore? Elle vient de dire qu'elle est désolée. C'est quoi? Est-ce que tu veux qu'elle te fasse la danse coro-coro? Parce que t'es si importante. Tu sais quel est mon problème? C'est que c'est toi qui commences la bagarre. Et tu gardes un visage d'agneau. On dirait que tu es innocente. T'es vraiment stupide. Tu es malade. Tu es folle. Tu es la malade. Personne la plus stupide que j'ai vue dans cette vie. Tu es stupide. Tu es une hypocrite, Berry. Et je te déteste. Je te déteste, moi. Je te déteste. Toi, je te déteste aussi. Regardez celle-là. Oh, dégage. Sonner. Mythomane. Sale mythomane. Regardez-moi, tu parles. C'est grâce, tais-toi. Tu sais quoi? T'es connerie. Dégage, parce que je n'ai même pas le temps à perdre pour me chamailler avec quelqu'un d'autre. Pétasse. Je te regarde maintenant. Écoute, tu sais pourquoi je te regarde comme ça? Parce que, je ne sais pas, si je me mets à te battre maintenant, je vais te gifler. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qui est arrivé ne se répète plus. S'il te plaît. Qu'est-ce qui est arrivé ne se répète plus jamais. Je te préviens, Itoroban. Ne le refais plus. Tu sais que c'est à cause de toi que je suis sorti d'ici. Hé, arrête ça. Ne m'offense pas. On a 8M. Ne refais plus jamais ça. Toi aussi, ne refais plus jamais ça. C'est ce que tu me dis? On a 8M. C'est ce que tu me dis? Que le tonnerre te frappe. Tu es folle? Tu es fou. Que cela ne se répète plus. Si ce n'était pas que toi et moi, nous sommes ici. Je suis ici, tu es là-bas. Je ne veux plus te parler. Tu comprends? Tu le feras. Tu sais que si ça arrive encore, et toi, si ça arrive encore, tu sais si ça arrive encore, je sais déjà que tu n'as pas de maison. Que dans ton village, on ne peut pas rester. Et moi, je n'ai pas. De grâce, s'il te plaît. Tu le feras. Regardez-le. Tu es mon papa. Ne refais plus jamais. Que faites-vous ici tous les deux? Désolé, madame. Moi et Itoroban, on faisait la réunion. On faisait une réunion pour,
voir comment venez vous dire que nous sommes désolés. N'est-ce pas? Ouais. Oui, madame. Nous sommes vraiment désolés, Mbok. Pardonnez-nous. Pardon. Vous pardonnez. Pourquoi? Écoutez, aucun de vous ne mérite aucun pardon. Oh. On doit vous jeter hors de cette maison. Bico. Madame Berry, bico de grâce. Vous pouvez vous taire, fermer votre bouche et laisser madame parler. Ah, c'est la seule madame que nous connaissons dans cette maison. Elle n'est pas comme vous. Bico, mettez-nous. JP, vas-tu te taire, oui? Hein? Tais-toi. Il n'y a pas de super madame dans cette maison, comme tu le dis. Ok. Nous vous payons toutes, alors nous avons besoin de respect. Ok. Désolée, madame. Désolée, madame. Eh oh. Ok, c'est le respect que vous voulez. Pas de problème. Ok, le respect. Ah, ça, c'est pas un problème. Ah, c'est le respect que vous voulez. Ah, comme vous nous voyez là, nous avons le respect en réserve. Nous pouvons sortir, le chercher et revenir avec lui. Ramenez-le. Le respect, le verser sur vous. On va vous respecter au point où vous serez fatigué. N'est-ce pas? Oui, madame. Exactement. Madame, je ne vais plus jamais insulter quelqu'un. Je suis l'enfant de Dieu. L'autre jour, c'était Satan. Il est entré dans mon corps. C'est lui qui m'a fait faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter toutes les madames. Si... comme jamais. Comme jamais. Oui, c'est une promesse. Une minute, tu parles bien. Et la minute d'après, le diable entre en toi. Désolé. Écoutez, madame, j'irai la supplier de vous pardonner parce que je ne peux pas rester un jour sans manger de la bonne nourriture. Que Dieu vous bénisse. Dans l'eau, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. C'est ça. Allez voir la tête. Viens. Vas-y, je t'attends. Viens. Allez, les filles, nous devons apprendre à nous maîtriser. Nous ne devons pas nous bagarrer, nous quereller tout le temps. Nous devons vivre en paix. Le truc, c'est que je peux vivre en paix avec n'importe qui. Mais quand quelqu'un met la domestique hors de la maison et quand j'ai faim, elle refuse de faire à manger, je refuse d'accepter cette merde. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal si tu vas à la cuisine pour faire à manger toi-même? Je ne peux pas aller à la cuisine, c'est toi qui as chassé la domestique de la maison. Alors c'est toi qui devrais aller à la cuisine faire à manger pour tout le monde. Tu n'es pas sérieuse. Ok, c'est bon. Écoutez, Itoro est déjà revenue et elle est à la cuisine en train de préparer. D'accord? Nous devons vivre en paix, je veux dire, nous sommes amis depuis des années. Nous devons être une équipe très soudée. Allez, les filles. La seule raison pour laquelle je suis assise ici et que j'ai cette conversation avec vous toutes, c'est parce qu'Itoro est de retour. Sinon, je n'allais même pas perdre mon temps à discuter. Je veux manger, j'attends juste ma nourriture en paix. Tu sèmes la pagaille. Écoute, gaga, si je te donne un coup, hein, ta coco va tomber de l'autre côté. C'est bon, les filles, s'il vous plaît, arrêtez. C'est bon, s'il vous plaît. Que tu aimes ça? Attends, Itoro Ban, c'est toi? C'est bien moi. Itoro Ban,
C'est vraiment toi? C'est moi, oh. Hey! Regarde comment mon corps fait quoi. Tu sais quoi? Comme il n'y a personne. Vite. Allez, viens dans ma chambre. Direct. Hi! Tu es belle. Entends de la chambre, s'il te plaît. Tu vois ce que je vois là, hein? C'est un plat nigérian, le jollof rice. Et j'aime ça quand c'est chaud. Biko. C'est bon. Attends. Tu me vois? Regarde. Oh. Je vois. Et moi? Quoi? Ce rien vraiment très appétissant. Bamotéon, écoute. Hein? Si tu veux manger cette chose, tu dois me donner tes 2 mois de salaire. Et je te donne cette chose. Seulement 2 mois? 2 mois. 2 mois seulement? Je vais te les donner. Dis-moi simplement ce que tu veux. Je vais te donner. Tu vas me donner? J'ai beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi j'aime travailler ici? Ebi! J'ai reçu le double de mon salaire et tu sais, mon salaire, je l'ai gardé. J'ai pensé à toi. D'accord. Tu sais, je suis pressé de mettre mon bâton dedans. Tu vois ce truc? Viens. Ça te plaît? Tais-toi. Mange. Je ne peux plus attendre. Viens vers l'intérieur. Viens, je ne peux plus attendre. Itoro, ma femme. Écoute, ce truc qu'on vient de faire là, tu sais, ce qu'on a fait aujourd'hui était master trop bon. Tu as aimé? Très, très bon. On reprend. Arrête ça. C'est quoi? Attends. Non, laisse-moi. Allez, s'il te plaît. Laisse-moi. Non. On le fera quand j'aurai l'argent. Quel argent? Mais ton salaire que tu as dit que tu allais me donner, non? Jibi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, maintenant, pour qu'on le fasse, il faut que je te paye. C'est ça? Non, attends, laisse-moi te poser une question. Alors, comme ça, si je prends mes 2 mois de salaire, tu vas vraiment prendre cet argent? Et tu vas ouvrir tes mains et les prendre? Bog! Sorcière! Sorcière! Jibi, c'est ce que tu dis maintenant? On dirait qu'il y a quelqu'un au portail. Écoute, tu vas me donner cet argent que tu m'as promis. Sinon, je vais gréver. C'est quelqu'un d'ailleurs. Toi. Laisse-moi m'habiller. Mougi. Toi-même, on ressent du plaisir quand on le fait. Je ne suis pas le seul à prendre mon pied. Je pense que tu prends sur ton pied. Je t'ai promis de l'argent. Moi, je t'ai promis de l'argent. Mon salaire, tout mon salaire, tu veux que je te le donne. Tu es folle. Donc, tu veux tout mon argent. Un agent que j'ai durement travaillé, mon agent. Je te donne tout mon salaire. Quoi? Mougi! Ce que tu dis maintenant? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Defeat from your sinful life. Cause see the baby. Defeat from your sinful life. Before it's too late. Don't let me go. Waste for your body.
Whatever man saw it, he must read.